va, señorita, en señor? ¿Cómo está la familia? Bon, les Gaulois, toujours en Espagne, bien sûr. Plus pour longtemps, on commence à remonter en France. Je vous fais une petite vidéo, en fait, intro, là, actuellement. Vous avez l'habitude maintenant de mes petites vidéos intro. J'espère que la vidéo qui suivra derrière va vous plaire. J'ai plein de choses à vous dire en intro. Je vais commencer par les attrape-rêves de Sabrina, ma petite femme. Elle reprend un petit peu, ben, du coup, les attrape-rêves. Comme on rentre en France, on va pouvoir les envoyer. Comme vous savez, ben, nous, c'est ce qui nous permet aussi de nous faire un petit salaire pour continuer le voyage, pour continuer à vous faire plein de vidéos ben, qui vous plaisent apparemment. Merci encore. Ah oui, merci encore à tous les nouveaux abonnés. Merci encore pour tous les nombreuses vues qu'il y a sur la chaîne. Je suis super content. On arrive presque aux 20 000 abonnés. Je ferai un petit clin d'œil quand on sera aux 20 000 abonnés. Je crois qu'il en manque une trentaine. Abonnez-vous en masse. Parce qu'il y a encore plein de monde pas abonné. On a des 30 000 vues, 40 000 vues. Et on n'a que 19 000 abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Allez, on s'abonne, on met les pouces. Je voulais vous montrer du coup ben, un petit peu. T'as quelques attrape-rêves ou pas? Ouais, j'arrive. Bon, en même temps, je vous fais un petit aperçu des gens avec qui on est actuellement, qui ne seront pas dans la vidéo tout de suite, puisque ça, vous savez que c'est une vidéo intro. Donc, il se passe bien après la vidéo que vous allez voir qui va suivre. Allez, je vous montre quelques petits exemples d'attrape-rêves que Sab nous fait. Alors, bon, c'est un bon bordel dans le bus, mais ça, c'est pas grave du tout. Alors, on va voir. Elle est partie les chercher au fond. Donc, oui, je vous montre pas, je vous spoile pas, là-bas, ça a changé, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Les enfants sont allés ramasser des pierres. Mais ça, vous verrez ça aussi dans les prochaines vidéos. Là, c'est ça, vous venez de ramasser ça ici? Ouais. Oh, le délire. Elles sont super jolies. Regarde, elles. Ouais. Bon, bref, on verra ça plus tard. On présente les petits attrape-rêves. Attendez. Voilà, donc elle vient d'en installer quelques-uns, comme ça, histoire de vous faire une petite présentation de ce qu'elle peut faire. Alors, attendez, je vais essayer de vous les avoir. Bon, voilà, je vous montre ça, je vous présente vraiment vite fait. Sinon, vous la contactez, de toute façon, Sabrina, sur son Facebook, Sabrina Lelong. Je vous montrerai ça après. Et si vous voulez commander des attrape-rêves à votre thème, vous choisissez les thèmes que vous voulez. Comme je vous dis, nous, ça nous fait un petit plus pour le voyage. Et puis, on fait toujours en prix libre. Et on vous envoie ça dès qu'on arrive en France. Je pense qu'on sera là, on est à Saragosse. Donc, on sera en France dans pas très longtemps. Et ça nous permettra, voilà, de faire un petit plus pour le voyage. Bref, je viens de vous le dire. Donc, il y a plein de styles différents. Vous voyez ça avec elle. C'est plus simple sur son Messenger, Sabrina Lelong. On a aussi les autocollants. Lily va vous montrer ça tout de suite. Elle est en train d'aller les chercher. Voilà les petits autocollants. Le Gaulois et sa famille nomade. Donc, si vous aimez nos vidéos, que vous voulez nous aider un petit peu par l'aventure, n'hésitez pas à les commander. On fait toujours en prix libre. Juste le prix de revient de l'autocollant. Faut savoir que ça nous est revenu à 80 centimes pièce. Bon, j'avais trouvé ça un peu cher, mais pour les prochains, on essaiera de trouver moins cher pour pouvoir justement vous proposer. Ouais, c'est des autocollants carrosserie anti-UV, je sais pas quoi. Bon, on peut les mettre à l'extérieur, c'est quand même important. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, sachez qu'ils nous reviennent à 80 centimes pièce, le prix que nous on les a payé chaque autocollant déjà, plus les frais d'envoi. Allez, on va dire, je sais pas, en France, ça nous coûtait peut-être pas cher, hein. Genre le prix d'un timbre. Hein. Ça, maman. Bon, bref, voilà, et après, ce sera prix libre. Donc, bref, je vous en reparlerai. Hein. Vous contactez Sabrina, encore une fois. Les autocollants, moi, je vous les enverrai. Oui, non, c'est vrai que pour les autocollants, contactez-moi plutôt. C'est moi qui vais m'en occuper. Donc, sur mon Facebook aussi, sur mon Messenger, Bruno Lelong. Vous m'envoyez un message, je vais vous montrer ça tout de suite. Et juste après, je vous présente les chiots qui restent disponibles pour de Dylan et Léa. Mais je vous parle de tout ça juste après. Sinon, je vais me perdre. Donc, voilà, Sabrina Lelong. Vous la contactez sur son Facebook. Mais contactez-la directement sur Messenger. Parce que Sab, elle est pas trop réseaux sociaux comme moi. Elle aime bien être tranquille. Donc, vous la contactez directement sur Messenger, un petit message avec, le thème de l'attrape-rêve que vous voulez. Et puis, elle sera un plaisir de vous faire ça. Et voilà donc, vous pouvez pas me louper, hein. Bruno Lelong. Là, j'étais, je crois, en Espagne à ce moment-là, en train de boire un petit pastis devant un lac un soir. On était trop bien. Là, j'étais avec Leaf, le frère de Max. Max, le frère de Jérémy, des Vadrouillards. Bon, bref, on s'en fout. Bruno Lelong, vous me contactez sur le Messenger pour des petites commandes d'autocollants. Je vais gérer les autocollants, moi. Eh ben, ce sera notre futur boulot, entre guillemets. Les vidéos YouTube.
Je voulais vous en faire. Je vais essayer d'être plus régulier, de vous en sortir une tous les vendredis. C'est pour ça qu'on est vendredi aujourd'hui, que je vais essayer de vous la sortir là. Alors, est-ce que je vais réussir à uploader et tout? Je sais pas. Si vous la voyez, par exemple, un samedi, bah, c'est que j'ai pas réussi. Mais je vais essayer d'être régulier dans mes vidéos, de vous faire une vidéo tous les vendredis, à peu près d'une heure. Si c'est possible. Bon, on verra bien. Oui, pour les paiements des autocollants et tout, vous nous contactez et on vous envoie un RIB et vous nous faites un petit virement de ce que vous voulez pour nous aider pour le voyage. Si, voilà. Toujours en prix libre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les chiots de Léa. On y va. Non, même pas. Avant les chiots de Léa, je voulais, bah, comme là c'est prêt, je voulais vous présenter deux chaînes YouTube. Encore une fois, c'est pour filer un petit coup de pouce, moi, que je fais ça. Hein. Alors, une chaîne, je vous la montre tout de suite. Voilà, alors je vous présente déjà cette chaîne-là, Alicia Officielle, le site des AMB. Vous voyez, elle a 16 abonnés. Alors allez-y, abonnez-vous en masse, ça lui fera super plaisir. Et en fait, elle nous a contactés, c'est des abonnés. C'est la fille d'un abonné, elle est jeune, hein, je crois qu'elle a, je dirais des bêtises, mais elle a peut-être 16, 17 ans ou 18 ans, un truc comme ça. Et elle nous a fait une chanson pour nous, je vous la clique dessus, hop. Est-ce qu'il y a du son sur le téléphone? Alors attendez. Yops. Ouais, il y a du son. Les Gaulois, je vous montre ça tout de suite. Ah, je vous laisse juste le début, vite fait, découvrir. Alors, elle a récupéré des vieilles images sur nos vidéos. Voilà, elle chante super bien, je trouve. Bref. Attendez, hop. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube, à vous abonner en masse. Ça lui fera super plaisir. Et puis vous savez, moi je fais ça, franchement, j'ai rien en échange. Hein. C'est juste que ça me fait plaisir. Je voulais vous présenter aussi la chaîne, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, de ma frangine, ma sœur Véronique et son beau-frère. Ils ont fait une chaîne YouTube aussi qui commence à marcher. Je ne sais pas combien ils ont d'abonnés. Ils ont caché leur nombre d'abonnés, je ne lui ai pas demandé. Mais je vois qu'ils n'ont pas énormément de vues. Donc si vous pouvez vous abonner en masse aussi à la chaîne de ma frangine, ça me ferait super plaisir. Et puis bah, si ça peut les booster un peu, je vous montre ça tout de suite. Et voilà la chaîne de ma frangine et de Olivier, mon beau-frère. Donc Vérolive, le duo malin. Bah, tout est écrit dessus. Hein. Astuces, humour, nature, cuisine, défi. Allez voir, faites les curieux. Si ça peut leur faire prendre des abonnés, vous voyez, pour l'instant, ils n'ont pas énormément de vues. Donc si ça peut leur faire monter un peu leur chaîne, si on peut aider, si on peut donner un coup de pouce. Alors je sais, vous êtes très très nombreux à m'envoyer des pages Facebook et ainsi de suite, machin. Alors j'essaye de partager un maximum, mais je peux pas tout partager. Et c'est évident, c'est pas évident de choisir ce qu'on partage et pourquoi on partage celle-là et pas les autres. Donc c'est pas évident, m'en voulez pas si je partage pas, mais c'est que j'en ai beaucoup trop à partager. Bref, allez, j'accélère, parce que sinon, encore une vidéo de 10 ans. Je vais vous présenter les derniers chiots qui reste et je vous dirai pourquoi. Alors voilà les trois derniers chiots qui sont disponibles. Donc les chiots de Gaïa qui est sûrement dans le coin. Ah bah elle est là. Voilà les chiots de Gaïa qui est croisé d'ailleurs avec un loup tchèque. Si vous avez suivi les vidéos, c'est le loup tchèque de Gilou qui était avec nous, qui avait un beau loup. Je vais vous le montrer encore une fois. Allez, je fais une petite pause, je vous montre le père, comme ça au moins vous saurez d'où les chiots viennent. Voilà, je l'ai retrouvé, il est là. Donc voilà le beau papa. Oh, ça y est, j'ai un gros trou de mémoire sur... Ah merde, Volt. Oh là là, j'avais un gros trou de mémoire. Donc il est magnifique. Et du coup, je vous montre les beaux chiots qu'il a fait. Donc voilà les chiots qui restent dispo. Franchement, ils sont magnifiques. Donc il y a... C'est quoi? Il y a déjà des noms? Bon, après... Capsule, Spike. Capsule, Spike. Donc c'est deux mâles? C'est trois mâles? Trois mâles dispo et lui on l'appelle gros sac parce que lui il est trop énorme quoi. Il y a pose-le par terre, il est trop. Ouais. Ah, lui c'est un de ses gros pâtes à pouf. Donc là ils ont bah ils sont presque sevrés, hein, quasi sevrés. Franchement ils mangent de ouf et puis voilà. Donc si ça intéresse du monde, ils sont pas pucés vaccinés, il faudra les faire pucer vacciner. Bien gros pâte à pouf. Voilà, donc Dylan et Léa vont rentrer en France. Ben, on va tous rentrer en France, là, j'en sais rien. 15 jours, on sera en France, je pense. Ah, ouais, ouais, il est là, gros patapouf. Et si quelqu'un est intéressé par les chiots, si vous pouvez en même temps, parce que, du coup, Dylan et Léa, vous voulez les donner. Moi, j'ai dit, vous avez déjà pas de thunes,
Si les gens peuvent voilà, vous donner un petit quelque chose qui peut vous aider encore une fois aussi pour l'entretien du camion, le voyage, un peu tout. Ils vont chercher du boulot en rentrant en France. Si quelqu'un a du boulot à leur offrir en saisonnier ou n'importe quoi, eh ben ils sont preneurs. Dylan, c'est un bosseur, Léa aussi. Et du coup, bah, tenez-nous au courant si jamais vous avez du boulot à leur proposer. Ce sera avec grand plaisir. Vous contactez Dylan et Léa, je vous montre tout de suite où. Sur leur Facebook. Voilà, donc vous pouvez contacter Dylan sur son Facebook, Vagabond Dylan, vous lui envoyez un message sur Messenger. Ou sinon Léa, je vous montre tout de suite sa page Facebook pour la contacter. Voilà, donc vous contactez soit Dylan, soit Léa sur leur Facebook, Mauvais Genre. Et vous voyez avec eux pour les chiots. Donc comme je disais, ils cherchent du taf, ils ont plus aucune thune là. Donc en Espagne, c'est vraiment pas facile à trouver du taf, c'était galère. Et là, comme on est dans une quinzaine de jours en France, dès qu'ils peuvent trouver du taf, et s'ils peuvent, alors le mieux, c'est s'ils peuvent bosser avec en mettant en vagabond leur le camion sur le terrain, c'est encore mieux. Avec les chiens, alors, sachant qu'ils ont 5 chiens. Aïe, punk à chien. Voilà. Bref, vous les contactez, ce serait super gentil de votre part. Allez, je crois que je vous ai tout dit, j'ai tout présenté. Je réfléchis, attendez, je réfléchis. Non, bah c'est bon, j'ai rien oublié. Donc voilà, si vous voulez adopter un des trois chiots, bah, contactez-les et puis vous arrangez avec eux. Si vous pouvez leur donner un petit truc, voilà, ça leur fera une petite pièce pour continuer le voyage. Allez, bisous, je vous laisse avec la vidéo. Éclatez-vous bien, kiffez votre racine. Nous, toujours en Espagne et bientôt en France. Bye bye. Allez, bon visionnage. Ah si, oui, juste un petit truc vite fait pendant que j'y pense. Dites-moi au moins ce que vous en pensez. Mon retour en France, je pense que je vais investir dans une imprimante textile pour pouvoir enfin me mettre à vous faire des t-shirts et des pulls. Et bah ouais, voilà, histoire de, encore une fois, bah, nous faire un petit boulot saisonnier, un petit boulot nomade. Et puis bah ça nous permettra de mettre un petit peu de carburant dans Obélix en même temps. Voilà, allez, je vous laisse avec le visionnage de la vidéo. Bisous, bisous. Bon, il y a Mano qui veut sauter de là-haut. Non, non, attends. Attends, je le vois pas. Ah, il est là. Donc, tu vas sauter là? Allez, vas-y. Attends, je mets. Attends, vas-y. J'ai mis en grand angle, vas-y. Ouais. Ah ouais. Oh là là. Un quintal qui tombe dans l'eau, ça fait mal. T'as touché ou pas? Non. Pas du tout. T'as pas rentré les mains. Quoi? Allez, Enzo. Tapez les mains là. Allez. Allez! Tu vois, quand t'es au milieu, que tu vois que ça fait déjà 3 secondes que t'es dans les airs. Me fais pas une vidéo de 3 heures, allez, vas-y! Allez! Oh! Mais vas-y! Saute d'un coup! Allez, un, deux! Allez, 3, 2, 1, go! Allez! Allez, saute! Mais saute! Mais non! Fais comme moi, vas-y! Cours! T'inquiète! Vas-y, saute, saute, saute! Une fois que t'es dans l'air, de toute façon, tu peux plus revenir en arrière! Cours, il saute. Allez, Enzo. Allez. Si tu pouvais te tuer en même temps, ce serait pas mal. Mais allez. Allez. C'est pas bon. Ah, c'est pour rigoler. Allez, Enzo, merde, putain, ma vidéo de 3 heures là. Allez. Mais coupe, qui me dit. Allez. Allez, il y va pour de vrai. Allez, go. Yes. Wow. C'est quand t'es à mi-chemin, t'es en mode oh putain. Ouais, t'as vu, c'est trop bien. Ah. J'y refais. Mec, tu voles. Mec, tu voles. Comment tu voles, Oscar? Mais gros, j'y crois que rentre là, tu vois le froid là. On le sent pas. Non, là, c'est pas froid. Le froid, c'est quoi? Restez dedans, c'est bon, je suis bien là. Bon, on avait déjà assez de camions repérables et puis un petit pastis ici même maintenant. Ça y est, il va nous faire un camion de pirate. Ah bah dis, on va se faire jeter encore deux fois plus vite. Bravo, bravo les gars. Bon, allez, merci. On est plus à ça près. Bon, Flo, il a fait un super dessin de tête de mort, là. Mm. Ah, il claque. Hein. Moi, je lui ai écrit petit pastis, là. Et puis Léa, elle est en train de lui écrire « Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves ». Mais elle a pas fini encore. Et Steph, il a marqué « Pour la vie, bah, carpe oui, diem bah, ». Yes, famille. Voli, volou. Ça se dit pas loup. Bon, bah, du coup, voilà le petit spot. Bon, bah, nous, on a installé ici, hein, tranquillou. Et puis, bah, il y a tellement de petits moustiques gris à la con, là, que, tiens, les petits chiots. Ils sont où, les petits chiots? Ils sont où, les petits chiots, Gaïa? Bah, ils sont là. Regarde.
Ils sont là, les petits pépés. Hein, Gaïa? Et du coup, ben, il y a un petit feu qui est en route pour chasser les moustiques. Et puis, ça va faire du bien. Et dans les poubelles, ben, dans les poubelles qui étaient là-bas, ils ont trouvé un canapé. On le remettra aux poubelles après, hein, bien sûr. La classe, franchement, la classe. Il faut les porte-canettes, là. Un beau petit salon, ouais. Il faudrait le porte-canettes, ouais. Bon, voilà un petit barbecue à l'arrache. Mais moi, j'ai tellement mangé de radis beurre, là, que j'ai même plus faim. Tant pis. Avec des petits champignons de la récup. Et là-bas, ça continue à dessiner. Hein. Yadia à fond, au taquet. On l'arrête plus. Ah ouais, là. En train de customiser le petit Mercedes Sprinter de Fifi. Ouais, c'est classe, hein. Ouais. Non. Allez, une petite poêlée de champignons au feu de bois. Pour toi, je pense que tu vas te manger, Lily. Et tu vas te brûler les fesses, taille. Hein. Jojo s'est fait un sandwich à l'arrache. Paps, mams. Ok, chef. Paps, mams. Ok, chef. Paps, mams. Comme ça, on zigzag tout le long. On zigzag tout le long et beaucoup. Non. Vas-y, ma chérie. On zigzag. On zigzag pas trop, mais beaucoup. En fait, c'est le plus gros, le moins chiant, là. Bah oui, c'est le plus cool. C'est pas le point, mon téléphone. Ah si. Belle et Sébastien. Nan, 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 nan. C'est bon, je t'ai libéré, il va en prison. Et regardez comment marche bien ma petite LED, franchement. Ça crache. Bon, le problème, c'est qu'on est garé du mauvais côté. Du coup, on n'éclaire pas le côté où on est tous. Mais bon, c'est pas grave. Ça éclaire bien, en tout cas. Et j'ai pris des graines, enfin des herbes. Et puis, je vais les mettre dans mon champignon. Des herbes de Provence. C'est bon, ça. Ah, après ce bon petit barbecue, Manu, il a assuré le dessert. Des bonnes petites crêpes. Oh là 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 là. Les chiens, ils veulent pas de saucisses, ils préfèrent les crêpes. Non, sans rire, c'est une blague. La tête de Mathieu. Et là, on va remettre un petit peu de flamme pour se réchauffer. Réchauffer la famille. Bon, nous voilà. Donc, on a passé une bonne nuit sur ce joli petit spot où malheureusement les sources ne sont pas chaudes. Obélix est juste là. Et puis là, on va aller se promener. Je voulais faire un montage aujourd'hui parce que ça fait déjà 8 ou 9 jours, je crois. Mais honnêtement, je suis désolé pour vous, mais j'ai la flemme. Donc, je ferai peut-être demain ou pas. Mais là, j'ai envie d'aller profiter du spot au cas où on se fait jeter. Voili, voilou. Donc, je vais du coup profiter. On va se faire une bonne balade. Voilà, je crois que les garçons Thibaut et Dylan sont partis pêcher. Donc on espère se faire un bon petit poisson en papillote ce soir. On verra bien. Et sinon, Mano, tout ça, sont à la source qui est en bas. Mano, il est là-bas, on le voit d'ici. Voilà. Alors, elle est toujours pas chaude, la source. Elle est encore froide. Voilà, mais sinon, c'est un petit coin bien sympa. Donc, on va aller se promener le long de... Ah, il y a Enzo, là. Le long de la rivière. Ouais, Enzo dans l'eau, là. On voit Enzo dans l'eau, en bas, là-bas. Un crocodile. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et moi, j'en profite de la vidéo de mon homme pour dire que je suis reparti à faire quelques petits attrape-rêves. Ça, j'ai déjà dit. Mais bon. Ah, je sais pas. Et donc, je les enverrai sûrement de France. Et j'en profite pour montrer le dernier que j'ai fait, là, pour Jérôme Bertrand. Ah, bien voilà. Sympa. Content que je fasse une petite vidéo. Donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir bientôt repasser des commandes pour les attrape-rêves. Les autocollants aussi, nos autocollants, le Gaulois et sa famille qui sont pas ici. Je crois qu'on en a même pas un sur le bus, si, peut-être derrière. Si, je crois. Quoi? Non, je crois pas. Non, il y en a un. Ah, il y en a un sur le capot de... Bah oui. Il y en a un là sur le capot de Fifi. Donc voilà, nos autocollants, le Gaulois et sa famille nomade. Pour ceux que ça intéresse, bah, vous pouvez nous en commander. Alors, les autocollants, on peut les envoyer d'Espagne. Mais le mieux, on remettra tout ça en route... plutôt quand on sera arrivé en France. Là, on remonte en France tranquillement d'ici, je sais pas, on va remettre peut-être 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois maxi. Ouais, par là, mais attendez-nous. Pour monter en France. Et puis, de là, on remettra un petit peu en route les autocollants et les attrape-rêves. Cool, Raoul. Hein. Ça va nous faire un peu de monnaie pour le voyage.
Ça nous fait nos revenus, hein, et comme ça, ben voilà, tout le monde est content. Allez, bisous. À plus. On finit sur le beau. Amour et protection. Alors, est-ce que je vais me rappeler qui c'est qui m'a fait ce message ? Que toutes les bonnes étoiles guident votre merveilleuse famille. Vous êtes trop beau. Amour et protection. Ah, ça y est, je m'en souviens. T'en rappelles ou pas, chérie ? Non. C'était, alors son prénom, je ne vais plus m'en rappeler. Une jolie petite blondinette avec ses chiens qui faisait la manche. Ah, oui. Ouais, je ne sais plus où c'était. Sur un parking, on avait bu une petite bière ensemble et tout. Super sympa. Une Émilie ou un truc comme ça. Et voilà, donc c'est elle. Et c'est ça qui est bien, avec tous les mots qu'il y a sur Obélix, on se rappelle des gens. Et ben ça, métaux, ben c'est le gars qu'on a vu l'autre jour, là, à Sierra Espuna, ou je sais plus comment ça s'appelait, là. Bref, des messages, il y en a partout, de partout. Et d'ailleurs, ben il y en a aussi sur le canon de Fifi, qu'on a fait hier, que j'ai filmé, mais je sais pas si j'ai filmé la fin du mien. Parce que je l'ai rebricolé un peu. Donc voilà mon petit pastis que je lui ai fait, le Gaulois. Et puis Dia, elle a refait les sprinters en vert, elle a refait le Mercedes, voilà. La tête de mort de Flo, bah écoute, hein, j'ai déjà filmé. Donc voilà, bah ça customise un peu, bah ça fait de l'amour, de la joie, de la couleur, et c'est super bien. Ah mon Fifi. Ah c'était nickel. T'aimes ça l'amour toi? Ah surtout la joie. Ça donne que du bonheur. Bon allez, on va aller se promener. Ah, on a le roi Liam. Merci. Qui s'est mis à la pêche. Oh, tu nous ramènes un beau poisson, hein. Bon, on est au même endroit qu'hier, là, où l'eau a coulé à fond, ici, là. Et là, ça coule plus. Et là-bas, on voit qu'il y a une grosse chute d'eau, là-bas, au fond. On aimerait bien aller voir. Mais on peut pas passer. On trouve un passage. Donc, regardez un peu comment ça crache de ouf, là-bas. Donc, on va essayer d'atteindre derrière la centrale électrique, là. On va essayer de trouver ça, quoi, d'aller voir. Hein ? Faudrait un petit bateau pour s'approcher. Il y a un truc dans l'eau au pied, mais je sais pas ce que c'est. Une espèce de bruit dedans, je sais pas, une bruit. Voilà, donc là on est sur la centrale électrique. Hein. Ça c'est pas mal comme principe, je trouve, moi. Utiliser la force de l'eau pour créer de l'électricité. C'est quand même mieux que le nucléaire et que. Là, c'est un transfo, ça, c'est quoi ce gros truc? Waouh, comment il est énorme le bordel. C'est une sorte de vieux transfo, je vois. Ouais, c'est mieux que. Ouais, c'est ça. Utiliser les énergies. Utiliser la force de l'eau, c'est impeccable. D'ailleurs, on peut le faire en système autonomie, hein. Si vous avez un terrain avec une source, une sorte de petite roue de moulin branchée sur une sorte d'alternateur, et puis hop, par le courant de l'eau, ça fait tourner la roue et puis ça fait produire de l'électricité, hein. Quoi, hein? Waouh, la grosse Il va y avoir de la puissance là-bas. Ouais, sacré bah, de toute façon on voit tous les poteaux après qui partent, hein, ça doit alimenter sévère là. Il va y avoir des watts là-dedans. Ah, on arrive sur un trop plein d'eau là. Ça crache sévère. On va aller faire sa douche en dessous là. Ça crache dur là. Ouais. Ah. Voilà, là on a une vue sur les bassins qui retiennent l'eau pour pouvoir après utiliser la force de l'eau, quoi. Allez, on va essayer d'avoir la cascade. Bon, Manu, il nous a trouvé l'accès. Du coup, on va aller voir. Donc, ça y est, on a accès à... Voilà. Un sacré truc. On va aller voir de plus près. Donc là, on y arrive. Ils ont même mis des trucs pour monter. Et là, ça débite, hein. On voyait Obélix là-bas. Au bout de mon doigt, là. Manon, elle est carrément descendue sur le bord de la falaise. Ça crache, hein. Bon, ben là, faut pas se casser la gueule, hein. Ça fait flipper. Bon, je vais pas aller plus bas parce que... Ça fait flipper, hein. Ça crache. Allez, on va remonter. Ouais, ça fait flipper. C'est magnifique, par contre. C'est super joli. Voilà, là, on peut voir le départ du truc.
Avec les trop-pleins. Sympa. Oh là, ça rigole plus, hein. Bon, du coup, on revient de notre petite balade. On l'avait perdu Nadia, mais on l'a retrouvée. Dommage. C'est con, ça. Ouais. À un moment, on a cru qu'elle s'était cassée une patte dans la montagne. Là, on serait allé l'achever. Un coup de fusil, un coup de 12. Heureusement que son mari était là pour la retrouver. Un coup de 12, on aurait pu se faire un bon barbecue avec Nadia après. Les bonnes. Pour lui mettre une claque. Et du coup, on vient de penser un petit bricolage pour Fifi. Comme on voulait lui acheter un contrôleur de batterie pour qu'il voie sa tension de batterie à chaque fois. Et du coup, on en bricole un avec un vieux multimètre où les trucs étaient pétés là. Les fils étaient nazes. Du coup, on est en train de lui bricoler un truc. On va lui attacher. On va lui fixer là. Voilà, comme ça, il aura juste à allumer son petit Matrix. Il va brûler le plastique. Et il verra comment s'appelle la tension de sa batterie. Vous verrez ça à la fin. Donc, on trouve des moyens pour le fixer. Là, on a trouvé un. Il restait un sillon de canne à pêche. Ouais. Qu'on a. Alors, t'en filmes pas dans cet angle-là, parce que sinon, là, on voit que j'ai pas percé droit. Donc, on va filmer comme ça. Ça en triche un peu. Et voilà. Donc, on a mis un petit bout de sillon de canne à pêche. Puis, on va mettre une vis à la paroi. Et comme ça. Ah ouais, mais attends. Ça va pas tenir. Si, faudrait mettre une rondelle avec, parce que sinon, ça va tomber quand tu vas rouler. Il faut une vis pour accrocher. Ouais, une vis, c'est chelou, toi. Ah, un machin comme ça, mes droits. Ouais. Un machin comme ça, mes dents. Ouais. Si, tu prends les grosses vis noires, les grosses vis noires en dessous, là. T'as une grosse tête, là. Là, là. Non, on a dit non. Allez. Ah, ben regarde ce qu'il a, Fifi. Perfecto. Oui, vite le magasin, moi. Ah, nickel. Ça y est, on vient de tout finir. Donc le petit contrôleur de tension est allumé, 12-6, 12-1, machin. Tout est branché, on a fait des belles petites cosses et tout, impeccable. Oui, celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Celle-là, ce travail de Margoulin, là, c'est pas moi. Donc là, voilà, on a tout branché nickel. On a même branché son frigo ici, qui peut s'allumer en 12 volts. D'ailleurs, on fait une petite démo. Là, il est en 220. On coupe, la tension baisse. Non, la tension de batterie remonte. 12,80, machin, normal, hein. Ça remonte, c'est normal. Et on l'allume en 12, hop, ça s'allume en 12 volts, donc directement sur la batterie. Et la tension redescend, ce qui est aussi normal, puisque le frigo refroidit. Et est-ce que le frigo refroidit au moins? Ouais. Celui-là, il est branché depuis au moins 2h30, 3h. Hein. Ça, tu peux pas essayer. Alors Ah, ça commence à être pas mal. C'est pas du méga frais. Ah bah oui, mais pas bon. Du grand Mendes, mais... Regarde, touche Dédia. C'est un peu frais. Et peut-être aussi parce que le frigo est vide. Donc ça joue pas mal. Et puis il a pas marché depuis la boulangerie. Hein. Donc on va voir si ça tient sur le solaire, hein, le petit frigo là. On verra bien. T'es content, mon Fifi? Ah super, encore une fois. Voilà, nickel. Tu peux contrôler ta petite batterie. Regarde, t'allumes tes lumières, tu sais combien que ça consomme. Merde, ça c'est la pompe. T'allumes tes lumières, il y a trop de boutons chez Fifi maintenant. Voilà, hop. Là, je coupe le frigo pour qu'on sache. Ah bah merde, ça augmente. Pas normal. Si, parce que j'ai coupé le frigo. Ah bah non, mais c'était pareil. Là, c'est pareil. C'est pareil, alors attends. Bon, du coup, là c'est hop, 64, 62. On coupe la lumière. Ça change rien parce qu'en fait, elle consomme 1 watt. Donc ça change rien, voilà. Normal. Ça consomme rien. Voilà. Je les allume. Ouais, tu vois, voilà. C'est ça, il y a deux lampes, ça fait 2 watts. Enfin, non, c'est des volts, je suis con, moi. Là, c'est des volts, mais je veux dire, ça consomme très peu, quoi. Hop, là, j'éteins. Ça remonte. Un petit peu. Bref, quoi. Bon, ça consomme rien. Notre travail, maintenant. Faut juste réfléchir. Non, ça y est, là, on va aller voir les fontaines là-bas. Prendre du bon temps. Et là, ça continue les attrape-rêves, ma petite chérie. T'arrives un peu trop tard. Eh bien, ce sera demain, c'est pas grave. Il va falloir ranger les outils. Alors ça, c'est chiant, par contre. C'est le truc chiant quand on bricole. Ranger. C'est-à-dire? Ah oui, qu'à... Et puis que tout est rangé. Ouais, c'est possible. Alors là, je suis super content parce qu'on a rencontré encore une fois la Van Life. On rencontre plein de monde. On vient de rencontrer Andrea avec son papa. Et d'ailleurs... Bicyclette. Et voilà. Et du coup, en fait, ils font un jeu. Alors normalement, ce jeu-là... Attendez, je vais mettre la... Alors voilà, j'adore ce truc parce qu'en fait, c'est ce qui se passe ici, c'est super. Vaisselle Completo. Fourchette.
assiette, couteau. Voilà. Fourchette, assiette, couteau. C'est ça. In Spain? Comment c'est Liama? Alors, plateau, cuchillo. Ah, c'est presque pareil, hein. Alors voilà, c'est super ce qui se passe là parce que c'est ce qu'on aime sur la van life. C'est-à-dire, on fait des rencontres avec des gens différents qui parlent d'autres langages. Ah oui, yes, the Obélix. The big. In Spain, comment c'est Liama? El que? Esto? Yes. Autobus. Autobus. Tu vois, c'est pareil. Donc voilà, c'est super, on fait des belles rencontres. Gracias, you. Comment t'es lié à moi? Javi. Gracias, Javi and Andrea, for good vibes in the. Yes, for. Voilà, donc super sympa. En plus, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Mélissa, la fille de Fifi. Ouais, voilà. Prends en photo et je vais l'envoyer. Et nous, c'est ça qu'on veut vivre dans la van life, c'est des belles rencontres, du partage, des choses comme ça. J'adore créer ces alchimies-là parce que c'est super. C'est super. Ça, cool. En espagnol, c'est L. Non, c'est un L. Oui, L en espagnol. Ah, en espagnol, c'est L. Ah, ok. Et ça, tiens, ça, c'est dur, ça. Ça, c'est difficult. Tu sais, toi, Montgolfière. Montgolfière. Oh. En français, Montgolfière. Ah, comment se llama? Comment se llama? Globo aerostático. Spain, c'est compliqué. Montgolfière. Et la personne qui a inventé le globo aerostático. Donc voilà, c'est super sympa, des bonnes vibes. Avec un bon petit feu de camp, comme on l'aime. Dia, des petites créations. Voilà, c'est ça qui est bon. Ouais, super sympa. C'est ce qu'il y avait au sol. Ouais, c'est. Ouais. La faïence par terre. La faïence par terre. Casser des petits bouts. Après, bah, faire un petit joint, on va dire, un petit essayer de... Avec de la comment s'appelle, mère, de la glaise. La glaise ou un truc. Ouais. Tu fumes pas de petits joints, c'est interdit. Tu fumes pas de petits joints, Dédia. Interdit. Voli, volou. Bah, tu peux retirer encore les... Bon, comme on en apprend tous les jours, et bah, avec Thibaut, on est en train d'apprendre à faire des œufs à la braise. Comment éclater des œufs? Bah, pour l'instant, ils n'éclatent pas. Hein. Pour l'instant, ils n'éclatent pas. Pour l'instant, nickel. C'est le moment qu'ils fument, paf, en merde. Voilà. Croise les doigts. Et j'aurais jamais eu l'idée de les faire comme ça directement sur le four, sous la braise. Non, avec des bons oignons, des patates qui sont sous le machin là, sous la braise. Le chat d'une église. Et voilà, bah du coup, on va faire. Après, avec un bon poulet. Enfin, un bon poulet, un poulet quoi. Un bon jeu à manger. Un bon poulet de batterie, malheureusement. Donc voilà, au barbecue, bah, ça peut donner un œuf mollet, comme ça. Après, bah, faut gérer la cuisson, hein. Faut retirer au bon moment et tout ça. Je crois qu'il y a une coquille. Ouais, une coquille, mais c'est pas grave. Bon, bah, du coup, on va le manger, hein. Ça a l'air bon, tout ça. Bon, bah, du coup, le poulet est encore en train de cuire. Et, les patates, les oignons sont sortis. Sab, elle a fait une bonne souplette. Une bonne souplette! Et Manon, il a fait un bon gâteau. Là, c'est la fraise, et là, c'est nature, normalement. Waouh. Ça a l'air de claquer, le petit gâteau, là. Bien chaud en plus, à mon avis. Bah, il vient de sortir. Il sort du four. Alors un peu sec, mais c'est bon. C'est sec? Un peu dur à. Beaucoup de yaourt et beaucoup de. Faut mettre de la bonne confiture avec. Voilà, donc une petite soupe avec des biscottes. Ça, franchement, c'est une tuerie atomique. Et Didier, elle s'est fait des petits œufs à cuire. Et c'est très chaud. C'est très chaud pour les éplucher, Manili. Bah, ouais. Merci, Manon. Ça pique. Et voilà. Il y a Django qui est là. Et là, il y a une bonne soupe que Sab a fait. Une bonne souplette. Avec plein de légumes de la récup. Impeccable. Avec un petit peu de parmesan, un petit peu de biscotte. Et le tour est joué, comme on dit. Perfecto. C'est ça la vie de nomade. Alors, Bubu, elle aime bien la soupe? Elle aime bien la soupe, Bubu? J'ai mis du piment, elle aime pas. Allez, mange le piment, Bubu. Tu finis même pas ta soupe, toi, enfoiré. Papa! Oh là 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 là. Yes. Ça mangera pas longtemps. Hop. Papa! Éclair! Quoi? Éclair! Chien! Un chien! C'est un peu goût. Non, c'est Gaïa. Il a. Ben,
Putain, c'est con qu'on ait plus de Nutella. Bon bah du coup le poulet est cuit, du coup on peut commencer à remettre du feu en route pour se réchauffer. Comment ça, fria? Ouais, c'est nous. Mucho fria. Je t'envoie ça demain, il n'y a pas de soucis. C'est qui Queen là? Ouais, des bisous. Des bisous à tout qui c'est qui Queen? Mon nono, c'est Daniel. C'est toi? Ah d'accord. Des bisous ma Dudu, à demain. Bon, on profite un petit coup de ces, ce petit bassin bien sympathique. Et Liam va nous faire un salto. Eh, je sais pas les faire. Okay. Moi aussi, je sais pas les faire. Ah, pousse-toi, Enzo, qu'on voit. Attends, avant je le fais, après je le fais. Allez. Ouais, bof. Fais attention au rocher quand même. J'arrive pas à toucher ma tête. Touche pas là. Ouais. C'est qui calme le pied? Ah, Liam, un peu mieux. Ouais. Je sais, je suis mieux. Pas mal, pas mal. On vient de voir un serpent par ici, je sais pas si on va pouvoir le voir. Oh, il est parti à tous les coups. Ah. Ouais, et moi j'en ai vu un beau à la source. J'ai pas pu le filmer, dommage. Avance un peu, chérie, t'as des chaussures. Mais non, mais t'inquiète. Là, là, il y a pas un trou là. Ça, ouais, c'est trop, il est rentré dans un trou. Non, parce qu'il est sorti par là. Ouais, bon, je sais pas. Bref. Voilà, donc c'est fait donc une belle balade. Nous voilà arrivés sur un point de vue super sympa. Pop, avec deux zombies. Il y a Flo en bas, avec le Rio. Pop, super joli. La bave de zombies. Papa. La bave de zombies. Voilà, donc là, on a le Rio qui est là. On continue comme ça. Il est juste en bas, là. Et là-bas, on suit. Ici. Et tout au bout, ici, on voit le parking où il y a Obélix et tout le monde. Voilà. Ah, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Le Rio au fond. Franchement, c'est super. Bon, ben nous, on va changer de spot. Hein, parce que bon, ben, si on veut commencer à rentrer en France, ben, il y a un moment, il faut bouger un peu. Mais le petit problème qui se passe, eh ben, c'est qu'on n'a pas Minouche et qu'il n'y a pas de réseau. Comme d'habitude, donc les copains, ben, ils sont partis en avance, comme ça nous arrive des fois. Là, Fifi et Flo, ils partent, et puis ben, après, on les rejoint dès qu'on a Minouche. Donc, on l'a vu hier, mais ben, là, aujourd'hui, on n'arrive pas à le trouver. Donc, on va aller en bas avec les croquettes, comme on fait d'habitude, et puis essayer de le trouver. Le bon petit sac de croquettes, hop, 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 faire du bruit, puis essayer de le choper. Alors, il reviendra peut-être plus facilement sans les chiens et tout. Ça, c'est du camion Mercedes, ça. Oh là là, le camion de Fifi, qu'est-ce qui claque? Mais bon, on verra bien. Hein? Non, comme ça, on voit comment il tourne ton camion. Je vais pas montrer le démarrage du camion de Flo, enfin, je vous le montre un jour. C'est marrant aussi. Bon, allez, voilà, on va essayer de récupérer Minouche, puis rejoindre les potes sur un parking. Là. Bon, allez, voilà. Bon, ben, on attend toujours Minouche, hein. Bon, on fait une petite sieste en attendant. Puis là-bas, ça bricole. Et nous, on est en train de refaire la cabane, qu'on est en train d'améliorer la cabane, que les enfants, que la fille et son père... Andrea, hier, Andrea est ravie. C'est que vous avez vu qu'on a joué au jeu hier, là, les dés et tout ça. Ouais. Et bah ouais, c'est eux qui avaient fait la cabane. Du coup, bah Sam et Lily sont en train de l'améliorer. Je crois que je vais remonter au bus. Oh, il nous embête ce chat. Bref. Du coup, on va aller voir l'amélioration de la cabane. Quel effet de beau. Bah ouais. On a même fait un petit jardin. Sympa. On a fait un petit jardin, là. Ouais, je vois. Là-bas bah, je vois. On va mettre plein de fleurs, là. Joli. On a enlevé toutes les feuilles, on les a mis là. Ouais. T'es câble. Ouais. Un petit potager. Bon, les gamins ont trouvé une maison abandonnée. Et Liam, il a trouvé un coffre au trésor. Sauf qu'il n'y a rien dedans. Ouais. Et puis, il y a un truc à râper, là. C'est vide. Un truc à râper. Ah ouais, ouais, je vois. Il y a quelqu'un qui
Mmh. Une chaîne. Rien d'intéressant. Il y a une corde. Liam tire la corde. Liam, il a trouvé une boîte avec plein de couverts dedans. Bon, bah, du coup, on va faire le tri, hein. Bah, ouais. Ouais, les couteaux à viande et tout. Fais gaffe, il y a une araignée. Voilà, on va faire le tri ce qui nous intéresse et voilà. Mmh. Les dépenses en moins. Mmh. Le câble. En fait, on savait pas, juste au-dessus du bus, il y a une sorte de petit hameau, quoi. Enfin, il y a pas beaucoup de maisons, mais. Et celle-là, c'est original, l'entrée, regardez. Regardez le portail. Oh, le délire. Il y a carrément des petites chauves-souris. Fait tout en métal. Ah non, c'est des dragons. Ah ouais. Des petits dragons, ouais. Ah, le monsieur, il s'est amusé. Il y a des roses, là. Dingue. Marrant. Ah, vous voyez, Obélix, c'est juste en bas là et le petit hameau, il est juste là. Marrant. On l'avait même pas vu en fait. Bon, c'est une petite ferme avec quelques maisons, quoi. Sympa. C'est ma mamie qui est venue déposer. Ouais, c'est ma mamie qui est venue mettre ses poubelles tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, ce serait bien qu'il les ramasse les poubelles quand ça pue. Mais bon. Bon, bah, le soleil se couche, hein, tranquillement. Et puis, bah, on est toujours en attente de Minouche, hein. Minouche est toujours pas là. Alors, il y a plein de chats. Il y a des chats partout. Donc, à mon avis, c'est pour ça. Il doit être avec les chats. Il y a un chat roux là-bas au fond. Et ils viennent tous aux poubelles, là, qui débordent. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il est en train de chasser la gonzesse. Et, alors voilà, le parking est vide. On est tout seul. Et bah, des fois, mine de rien, des fois, ça fait du bien d'être un peu tout seul. Ça change un peu. Ça fait un peu de silence. Et comme on a rarement du silence, et ben, ça fait un peu du bien. Je bois mon petit pastis tout seul, tranquillou. Et puis, ben, on entendait les oiseaux, le bruit de l'eau, et voilà. Avec un petit peu moins de bruit que d'habitude, et ça fait un petit peu du bien. Allez, bisous, bisous. Je crois qu'il y a la séance popcorn qui part en vrille là-bas. Le couvercle se soulève. Ça fait rire les gamins en tout cas. Oh le bordel. Ah bah oui, hein, c'est en métro par rapport à un petit volume pousse-toi, Lily. Aïe, 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 c'est gosse. Bon alors, ils sont bons ces petits pop-corns. Yeah. Et Liam, il a préparé pour faire des faritas. Cool. Et puis c'est Liam qui a fait les pop-corns. Attends, les oignons, tu les as broyés ou quoi là? Tu prends une purée d'oignons. Il a fait avec le truc... Ah bah non, ça... ça... La femme de papy de Dash, elle nous a ramus. Ah ouais, prends une purée le machin. Ouais. Ça hache vachement. Popcorn dedans. Hein? Popcorn dans les oignons. Voilà, c'est pas mal ça, ces petits trucs pour broyer les oignons. Ça là. Ah voilà. Ah, les petits trucs comme en ça. En fait, on avait cassé une note et du coup, elle l'a vu... C'est Manuel avec une petite manivelle. Il monte, c'est bon. Ouais, je crois. Ouais. Non, mais fallait le tourner. Ah oui, maintenant, il n'y a pas l'hélice dedans. Enfin, bon, vous connaissez, hein. On tire la manille, le truc, voilà. Comme ça, et ça fait tourner, et voilà. Et ça hache. Bah, disons, ça hache plus que ça hache, même. Ouais, il a dû le faire longtemps. Ouais. Bon, nous, on va se regarder, du coup, quand on est tout seul, on va se regarder un petit film. Pas se coucher trop tard, parce qu'on a pas mal veillé aussi encore en ce moment, là. Du coup, bah voilà, récupérer un peu, petite soirée tranquillou. C'est perfecto. Bon, bah, j'étais parti à l'épicer, et puis finalement, ben bah, voilà, c'est qu'on l'a retrouvé. Le fameux Minouche. J'avais dit qu'il reviendrait quand ce serait calme, la soirée. Bah oui, hein, y a plus de chiens, y a plus, voilà. Bah, c'est normal, hein, il se prend des toises, du coup. Genre, j'étais en train de pisser, j'ai entendu miaou, miaou. Bon, bah, tiens. Trouve la Minouche. Comme quoi, la bouffe est bonne à la maison, quand même. Bon, ça y est, nous voilà avoir repris la route, comme on a récupéré Minouche hier soir. Bon, on a passé la nuit sur place, quand même. Et on a repris la route, rejoindre les copains à Ciesa. Et après, on ne sait pas trop où on va encore, mais on va voir. Mais Dylan et Léa vont sûrement remonter vers la France pour trouver du boulot. Parce que c'est pas papa et maman qui payent tout à chaque fois. Et puis même eux, hein, ils ont envie de se prendre en main un peu et trouver du taf. Voilà, je vous expliquerai ça plus en détail après. Et là, je me suis arrêté parce qu'on vient de voir un arbre avec des fruits bizarres et on ne sait pas ce que c'est. Alors ça ressemble à des amandiers en fait, mais ça n'en est pas. Alors on va aller voir de plus près. Mamie ? Non, mais non, non. Monsieur, on prend ? Ouais. Alors ici, là il y a des pêchers là. Ah bah il y a du monde qui arrive.
Allez, c'est passé voiture quand même, pas se faire écraser. Alors là, ici, de ce côté-là, on a le droit à quoi? On va aller voir. Ah, c'est des petites pêches. Ouais, c'est des sortes de petites pêches un peu. Ah bah c'est sympa ça, sauf que là, bah là, c'est pas du tout mûr, hein, bien sûr. Pas encore, mais il y en a pas mal dans les arbres. Et puis l'autre côté, bah alors ça doit être des prunes. Hein. Je pense que ça doit être des prunes l'autre côté. De ce côté-là, on a le droit à des petits fruits noirs, comme celui-là. Bah, je sais pas ce que... Attendez, avec le contre-jour, on voit pas très bien. Attendez, hop. Voilà, bon, bah, je sais pas, ça ressemble, je sais pas. Ouais, oh. Non, on en prend qu'une, ça sert à rien de gâcher. Bah voilà, donc il y a des vergers ici, c'est sympa. Dommage que ça soit pas mûr. Ouais, je sais pas, c'est des petites... Moi, je dirais des sortes de brugnons, mais encore tout petits. Bref. Ouais, c'est des sortes de brugnons. On verra. Bon, voilà qu'on a rejoint les poteaux sur ce petit parking. Bon, et puis, bah, du coup, Papy de Doche et Mireille sont obligés de repartir, parce qu'ils vont aller sur Murcy, racheter des batteries, tout ça. Bon, bah, on les aura vus vite fait, hein. Tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a Mika et Jess qui nous ont rejoints, avec le gros camion 4x4 ce coup-ci, là. Ah, ça donne envie de faire un peu d'off-road, hein. On verra, si on en trouve un, bah, ce sera l'occasion, et puis sinon, ce sera avec Obélix, on sait pas, on verra. En tout cas, il est revenu en Espagne. Enfin, non, il a jamais été en Espagne, celui-là, du coup. Ouais. Le GPS m'a fait prendre une route de mer, mais voilà! Du coup, on a vu un troupeau de chèvres. Marrant. Avec une ferme là. Ah là là! Il reste 4 km, mais il m'a fait prendre une route remplie de trous et de bosses là. Aïe 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 aïe! Bon, voilà notre nouveau petit spot du jour. Spot du jour, bonjour! Donc, les camions sont ici, tranquillou. Il y a Mika et Jess là-bas, du coup, il y en a d'autres derrière. Il y a Léa, les pirates, les carpe diem. Et là-haut, il y a encore des places, mais du coup, on est mieux dans le petit coin sauvage. Avec des bonnes escalades à faire si on se fait pas jeter avant. Quoi? Et moi, j'ai pris deux trucs de vache qui arrivent. Ah bah, bravo. Voilà, il y a encore un beau petit pic à escalader là. Si on est courageux, attendez, je vais faire le tour, je vais vous montrer ça. Tu peux retirer ton masque, toi, t'es en pleine nature. Il y a même des figuiers avec des figues, mais qui sont pas mûres. Voilà, ça c'est des petites figues. Des figuiers avec des figues pas mûres. Dommage. On aurait pu en manger un petit peu. Voilà la suite du camp. Il y a Flo. Il y a... Mince. Il y a Carpe Diem. Il est là qui est là. Voilà, voilà. Alors là, il y a le parking. Ah voilà, le mont qu'il y a là-bas. Mais franchement, celui-là, il paraît un peu plus hardcore. Donc on va peut-être éviter quand même. Ou pas, on verra. Ah, bah, il y a une fontaine là-bas. Oh oui, il y a les tables de pique-nique. Oh, c'est sympa. Ouais, plutôt sympa, ce petit air là. Monastère de Santa Ana. Ouais, sympa. Il y a pas mal de monde, mais c'est la semaine sainte. En Espagne, du coup, c'est un peu les vacances, quoi. C'est pour ça qu'il y a du monde. Quoi? Il y a un jeu. Ouais, sympa, ouais. Il y a un jeu, mais il y a que deux balançoires. Je vais aller voir comment il est fait, le truc d'eau. Ah, j'ai même pas vu, il y a eu la policière qui est passée, mais bon, bah. Ouah, ils vont pas venir nous. C'est bon, on fait rien. On est bien. Ah oui, ils arrivent là-bas. Ouais. Bon, la policière sont repartis. Mais c'est bien, ils sont Et là, il y a les barbecues, trop la classe. En plus, ils sont sécurisés, c'est bien pas avec du bois. Ouais, par contre, Jojo, tu vois ça, un barbecue, c'est pas fait pour ça. Donc tu descends. Pas possible, hein. Ah, il y a même des grilles. Oh là là. Il y a des balançoires qui sont faits pour ça. Ouais. Des poutres. Ouais, sympa. Sympa, le petit coin barbecue. Tu vas au toboggan. Hmm. Après, les choses, elles sont abîmées. Eh ben, il est bien sympa, ce petit air de pique-nique, franchement. Tout cool. Il y a de la place partout pour pique-niquer. Il y a même des tables en pierre. Bon, en général, les aires de pique-nique, c'est cool. Ah, c'est sympa, c'est agréable. Ouais, mais là, c'est vraiment bien, le truc des jeux, ouais. Des jeux pour les gamins. Bonjour. On va adopter un scarabée. Ah bon? Non, mais quand même. Donc voilà, donc on va voir demain ou pas, si on se tente celui-là, ou si on se tente celui-là, qui a l'air plus hardcore, mais bon. Et puis sinon, de toute façon, on peut toujours essayer, et puis si on monte pas en haut, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est d'essayer.
et de s'amuser. Donc il est vraiment bien sympa ce petit coin. Encore une fois, par Fortnite, bien cool. Avec les petites tables pour pique-niquer en pierre, avec les petits bancs en pierre. Bien sympa. Bien sympa. Viens là, ma fille. Voilà. Donc ça, c'est juste au-dessus de où on est garé. Bah, c'est super joli, c'est mignon, dis donc. Ouais, ça a l'air d'être très croyant. Il y a plein de croix partout. Et ouais, c'est bien sympa. Comme quoi, des fois, on a l'impression qu'on est perdu au milieu de nulle part. Puis juste au-dessus de nous, il y a un village, quoi. Et là, comme on est en semaine sainte, du coup, c'est vachement fréquenté, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, on arrive dans la petite cour du monastère, c'est super joli. On va aller voir, il y a un petit point de vue là-bas. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Alors, ce petit point de vue, qu'est-ce que ça va donner? C'est sympa. Ouais. Voilà. Tu vois, regarde, il paraît déjà vachement moins haut le pic où on veut aller. Tu vois? Bon, c'est pas gagné, hein, mais bon. Allez, encore un autre petit point de vue. Avec un bel vieil arbre au milieu. Bon, voilà encore un autre petit point de vue bien sympa. Et en même temps, Sab était en train de faire la géocache. Bon, les enfants, ils nous ont lâchés. La géocache qui était sur le petit rocher qui est là, où il y a les enfants qui sont en haut d'ailleurs, et c'est marrant quand même, les enfants sont venus pour la géocache. C'est quand même drôle de faire la géocache, tomber pile poil en même temps que quelqu'un. Mais bon, bah voilà, ça arrive du coup. Alors demain, peut-être qu'on va monter là-haut. Ça a l'air de plus en plus accessible, mais bon, on va voir. Donc là, on est sur la vue que je viens juste de vous montrer. Et puis regardez, hop, le mec, il a sa piscine juste là, tranquille. Bon, là, on voit qu'elle n'est pas utilisée. Hein. Il y a plein de déchets dedans, enfin de feuilles, de trucs. Sympa. Bon, en fait, la petite croix que j'ai filmée tout à l'heure, c'est une petite chapelle. Tout simplement. Alors, il y a accès ou pas? Ah, bah non. Ah ouais, c'est juste un... On peut pas rentrer dedans. Bon, voilà notre petit camp du soir, tranquillou, quoi. Posé pépère. Alors là-bas, comme je disais, la police à la Guarda passe, mais bon, ils disent rien, ils regardent ce qui se passe. Avec mon super LED boîte de nuit, là, ça, qui éclaire de ouf. On est tranquille, peinard. Bon, on n'a pas fait le feu de camp quand même, on va pas abuser, quoi. L'interdiction est juste là. Ouais, en plus, le panneau est juste là. Oh, Fifi, t'as éteint ton néon. Du coup, on voit plus rien sur ma vidéo. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Concours de LED. Attends, j'ai pas mis la lumière. Et encore, t'as pas mis la lumière. Ah, avec la lumière et la petite LED. Et tu prends combien sinon? 150, mais j'avale pas. Enfin, pas tout. Voilà. Mais le mieux, c'est... Ah, elle en est fière de ces petites lumières. Ah oui, c'est ah, nickel, ça. Ouais. Et sinon, tu peux contrôler ta tension de batterie. Ouais, comme ça. 1, 2 et 3. Voilà. Et en plus, t'as même la lumière. Waouh. Et là, je suis à... Ah oh, oui. T'as 12,39. Oh, bah dis... Bah dis donc. Ouais. Bah mon père. Ouais. Ouais, ça va recharger tout ça. Hein. Bon, voilà notre petit camp du soir, tranquillou, quoi. Posé pépère. Alors là-bas, comme je disais, la police à la Guarda passe, mais bon, ils disent rien, ils regardent ce qui se passe. Avec mon super LED boîte de nuit, là, ça, qui éclaire de ouf. On est tranquille, peinard. Bon, on n'a pas fait le feu de camp quand même, on va pas abuser, quoi. Non, l'interdiction est juste là. Ouais, en plus, le panneau est juste là. Oh, Fifi, t'as éteint ton néon. Du coup, on voit plus rien sur ma vidéo. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Attends, j'ai pas mis la lumière. Et encore, t'as pas mis la lumière. Ah, avec la lumière et la petite LED. Et tu prends combien sinon? 150, mais j'avale pas. Enfin, pas tout. Voilà. Mais le mieux, c'est... Ah, elle en est fière de ces petites lumières. Ah oui, c'est ah, nickel, bêtis, ça. Ouais. Et sinon, tu peux contrôler ta tension de batterie. Ouais, comme ça. 1, 2 et 3.
Voilà. Et en plus, t'as même la lumière. Waouh. Et là, je suis à... Oh, oui. T'as 12,39. Oh, bah, dis... Bah, dis donc. Ouais. Hein. Bah, mon père. Ouais. Ouais, faut recharger tout ça, hein. Petite publication Facebook, à votre avis, on est où? Ah ah, on est aux alentours de je sais même pas où. Et ça fait longtemps que j'ai pas mis un truc sur Facebook parce qu'on avait pas de réseau, on était avant. Donc je vous montre le petit spot où on est, franchement. La classe à Dallas. La classe à Dallas, les montagnes autour. Les poteaux qui sont là. Il y a Mika et Jeff qui nous ont rejoints. Après, ils vont aller faire de l'off-road avec les vadrouilleurs. Bah, je sais pas trop où, bah, vers, ouais, quelque part, quoi. Et demain, normalement, parce qu'aujourd'hui, je fais mon montage. Et demain, normalement, je monte là-haut. Je vous montre tout de suite. Regardez les petits chiots qui poussent. Ouais. C'est le chiot d'Ilan. Ouais, ils sont beaux comme tous les petits chiots. Là, il y a le camion de Thibaut avec ses gros toutous. Oh, les gros toutous. Là-bas, il y a la suite des copains, les Carpe Diem et Flo. Ici, juste au-dessus de nos camions, il y a le grand parking avec la petite fontaine pour se recharger en eau là. Et demain, normalement, je vais essayer de monter là-haut. Je ne sais pas si vous voyez au télé la vidéo, mais il y a une croix. On va essayer de monter là-haut. Ça va faire une bonne trotte, mais c'est ça qui est bon. Donc voilà les petites nouvelles. On est au-dessus de Jumilla, je crois que c'est Jumilla le bled. Aux alentours de, au-dessus de Murcie. On commence à retourner vers la France tranquillou, la famille. Et puis voilà, pour de nouvelles aventures. Alors, je sais que c'est un gros bordel en France. Mais bon, on verra bien. Moi, il faut que je m'occupe de mon deuxième bus pour pièces. Changer de terrain et tout ça. Et puis, bah, faut qu'on aille voir Malicia quand même. Allez, bisous les amis. Bonne journée à tous. Et il fait un soleil de plomb. Et un endroit magnifique. Allez, bisous. Bon, petite astuce. Quand on est nomade pour faire sécher son linge de façon rapide, eh ben, il suffit de le mettre sur les malles d'Obélix. Et comme ça, les malles sont brûlantes. Je pense qu'en une heure, tout va être sec. Et en plus, c'est discret. On va faire une location de toit d'Obélix. Ouais, comme ça, si la policia passe, eh ben, on voit même pas le linge. Ça fait moins squat. Bon, je sais, j'ai encore emmené des branches, comme d'habitude. Allez, une petite vue du camp, une petite vue du camp d'ici. Bien sympa. Avec la belle montagne là-bas. Là-bas, ça joue à la pétanque. Et voilà, petite astuce. Allez, bisous à tous. Bon, regardez le petit test qu'on vient de faire, là. Parce qu'en fait, moi, bon, je sais pas si je vous ai déjà montré. Viens ici, Ragna. Viens ici. Ah, les chiens, qu'est-ce qu'ils sont chiants. J'avais un problème de ma pompe, en fait, sur le chaude. À chaque fois que je l'allume, ça fait ma grosse pompe chauffe-l'eau. Ça fait, à chaque fois que j'allume le chauffage, l'eau chaude, ça fait duc. Guc, c'est pas régulier. Et là, Mika, il a acheté ce genre de pompe, qui sont des pompes à variation, à variateur. Et bah du coup, ça fonctionne nickel. Bon, on a branché ça un peu à l'arrache. Hein. J'ai récupéré mes tuyaux de là, hop, machin, et puis on a tiré du 12 volts directement sur la batterie du camion de Léa. Donc c'est un peu à l'arrache, mais bon, bah ça marche nickel. Par exemple, si on essaie là, mais là j'ai plus d'eau, donc ça aspire un peu d'air. Mais là, sinon, ça marchait. Alors, on entend la pompe. Bon là, elle prend un peu d'air avec, donc c'est pas top. Et c'est vraiment génial ces pompes. En plus, c'est super silencieux. C'est hyper silencieux, c'est vraiment le top. Là, je crois que je vais me faire plaisir avec une pompe comme ça. Ça vaut pas très cher en plus, je crois. Demandez à Mika, mais combien ça vaut ça? La pompe? 150 à peu près. 150 euros, donc voilà, c'est pas super cher. Et puis ça fonctionnait nickel, quoi. Ça fait pas de bruit, rien. C'est impeccable ces pompes-là. Bon ben merci Mika. Allez, bye bye. Je vais garder la référence de la pompe, comme ça, UP2, je sais pas quoi, E. Alors après, il y a sûrement des litrages et tout. 12 volts, 24 volts. Donc ça, en plus, c'est idéal. Voilà, litrage, il est pas marqué là. Là non plus. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est sûrement marqué là. Ouais, là, tout est marqué. Hop, bon, bref, je garde ça en mémoire. Et puis, sera impeccable. Ça n'a pas l'air de consommer beaucoup. Pickup à 10 litres minute. Mais moi, j'en prendrais peut-être une un peu plus... Oh, quoi que même, ça marchait bien. On verra. Voilà, pickup. Ça va, Minouche? Tout se passe bien? La vie est belle? Regarde-moi ça. Non, mais il est sérieux, lui. Non, mais oh. T'es sérieux, Minouche, là? Crois que t'es mort? Oh, y a quelqu'un? Ah ben là, il est pas mort.
Non mais la dégaine. Bon ben c'est bon, ça y est, on a trouvé notre nouveau camion de pompiers. Allez hop. Voilà, on est dedans, là, tranquillou, la famille. En plus, gratuit. Offert par Mika. Merci Mika. Hein. Et par contre, n'oublie pas de laisser la pompe dedans. Merci. Voilà, donc eh ben, on va le démarrer puis on va partir. Allez, c'est parti. Bon, voilà la bête de guerre. Alors, il paraît qu'il faut allumer ici. Hop. Oh ouais, ouais, il y a du jus, ouais. Après, t'appuies sur le gros, là. J'appuie sur le gros. Là ? Ouais, là. Non, le gros bouton poussoir, là. Alors, bouton poussoir. Là-bas, avance, avance. Ah oui, là-bas. Là, le ouais. Gros, le rond. Ah, attention. T'as pas besoin d'envoyer. Ouais, mais c'est pour être sûr. Non, mais toi, il démarre pas, c'est une vitesse. Ah ouais. Attention, ça, on n'accélère pas, même pas. Non, non, même pas. Attention, ça a démarré, puis on est parti pour la Norvège. Oh, ça rigole pas, hein. Oh putain. Ah, le bruit. Ah, il est sensible. Ah oui. Oh, la classe. Ça fait le bruit. Ouais, sympa. Bon, merci, hein. Toi, ta merguez, elle est là. Là, elle est en face, là. Ah, je te laisse. Arrête, mon pauvre Obélix. Te vexe pas, Obélix, hein, c'est pour rigoler. On te kiffe. Bon, attention, nous avons une intervention. Vite. Vite. Ah, il est là, le malade. Ramassez-le. Ah, je te jure. Bon, ben, nous, on s'est fait une petite session guitare, tranquillou, voilà. On va retravailler la chanson de Guélo, hein. Et puis, bah, il y a des lâcheurs. Voilà, j'ai envie de dire, il y a des mecs, c'est des gros lâcheurs. Ah ouais, mais... Ils sont venus nous voir deux jours. C'est mieux que zéro, mais ils ont fait 600 bornes pour ça. Ils ont fait un gros détour, donc c'est cool. Par contre, bah, du coup, ils me laissent pas son camion. Merde, je suis dégoûté, là. C'est la pompe, surtout. Ouais, la petite pompe, là. Merde. D'ailleurs, t'as regardé depuis tout à l'heure si elle avait pas disparu. Bon, voilà, bah, écoute, hein, c'était cool. Bah, nous, on va continuer la soirée. Petit barbecue, normalement, si on a le courage. Et puis après, voilà, tranquillou. Allez, on va dire au revoir, gros camion de pompier. Un petit coup de sirène. Ah, pas d'air. C'est pas toi la chaîne, là. T'as pas oublié ta pompe? T'as pas été voir, hein. Ouais, il va la mettre après. Un coup de sirène, hein. Après. Salut! Allez, montez par là-haut, regarde! Trop facile! Eh, c'est trop facile! Sirène! Allez, on va le faire après, en descendant. Ah! Ils reviennent! Bon, une petite dédicace pour notre poteau Guéno, hein, le tatoueur des nomades. C'est parti. C'est sa chanson qu'on avait fait sur un spot. Allez, c'est parti. De votre soupir, je peux plus m'attacher. Une carapace à mon malheur. Et pourtant, je t'aime.
Je voulais pas être comme tous ces briseurs du cœur, mais on est tous les mêmes. C'est pas de ma faute, si t'es fidèle. Et que j'ai pas confiance en toi, c'est pas de ma faute, si t'es fidèle. Et que moi je ne le suis pas, c'est pas de ma faute, si t'es trop belle. Et que j'ai pas confiance en toi, c'est pas de ma faute, si t'es fidèle. Et que moi je ne le suis pas. Possession, de jalousie, j'en veux plus. Je veux profiter sans faire souci, sans faire cocu. L'amour éphémère, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Magique et sans galère, ça finit sans bobo. Mais aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Parce qu'une fille, ça ne suffit pas. Et que mon cœur te bat, ça ne fait pas croire. Bon, allez, allez, c'est bon, je m'en joue, elle n'en peut plus. Là, on merci. Oui. Sauf qu'on n'est plus en grand angle, c'est pareil. Merci Guéno pour cette petite chanson qu'on adore faire ensemble. On va la travailler, retravailler. Moi, je vais améliorer la guitare parce que bon, c'est un petit peu du léger. Et puis, bah voilà, gros bisous à tout le monde. Et j'espère que ça vous a plu, la petite chanson. Bonsoir, on va se préparer tranquillou des petites papillotes de courgettes, des oignons. Tout ça à faire en papillote au barbecue, bon, comme il y a des barbecues, des petits poivrons, Fifi fait des petits poivrons, et puis un petit peu de poulet, et ça va être très très bien. Excellent, ça va être, oui. Carrément. Bueno, bueno. Qu'est-ce que vous pensez de mon Top Chef papillote? Je crois que c'est plutôt pas mal. Je vais gagner le concours. Numéro 1, le Gaulois. Wouh, Pambellop. Bon, voilà, du coup, on a fait les bonnes papillotes, donc on va s'attaquer un bon petit barbecue. Dans les petites structures faites pour esprit, sauf qu'il n'y a pas de lumière. On va se plaindre. Hein. On a ramassé un peu de bois pour faire le barbecue. Et les papillotes sont prêtes. Il y a ce qu'il faut. Oh, je sais ce qu'on a oublié. Et puis bah, le poulet, maintenant ils vont le faire. Maintenant ils vont le faire. Il va le faire, Thibaut. Voilà, donc oh, ça sent bon le feu de bois. Il y a des petites grilles en dessous. Il y a les grilles, il y a tout ce qu'il faut. On pourrait se faire un feu pour nous le barbecue. Ah, il y a une petite grille en dessous. Ouais. Voilà. Et c'est là que c'est bon. Quand la soirée commence à commencer, la soirée commence à commencer. Waouh! Et que tout le monde s'en va, et ben les lieux commencent à nous appartenir. Alors j'aime pas cette notion de propriété, mais ça fait plaisir parce que du coup on se retrouve dans des endroits magnifiques et puis où on est tout seul. Ouais, ben je crois qu'il y a besoin. Hein. S'il n'y a pas de lumière là, mon Fifi. Eh, heureusement, je pense à tout. Hein. Mais pourquoi c'est pas mis là, de ce côté-là? Non? Ouais, quoi que. Ouais, bon, pareil. Ouais, bon, je sais pas. Non, il y a tout sur place. Non, pas tous les mêmes. Non, je veux dire, c'est qu'en fait, t'as deux côtés. T'as les barbecues ici, t'as les barbecues là-bas. Bon, voilà. Non, ouais, mais, c'est pareil. Quand même. Okay. Alors, Fifi nous a installé sa petite lumière fait maison qui vient de Cache. Carter Cache. À Rouen. Ouais, on avait acheté ça. C'est un magasin de pièces auto, on va dire, discount, quoi. Ouais, pas cher. Et franchement, elle marche super bien. Elle est au minimum, mais si tu... Ah ouais, là, tu montes. Regarde. Ah bah là... Wouh, Pompelop. Nickel. Ouais, c'est nickel. Bon, je crois qu'on a bien chargé le barbecue. Je pense une fois que tout ça sera brûlé, on sera nickel. Et ça, t'as vu, un bon tirage avec la hotte, là. Et lui aussi, il est parti. Nickel. Ouais, je vais l'arracher. Dans les flammes, dedans. Bah dis, il fait chaud dans l'auberge. Il fait, longtemps, il fait bon dans l'auberge. Ouais, il y a une boîte. Dans l'auberge. Ah, mon pire. Voyez, j'ai le chauffage dans mon camion. Putain, ça chauffe bien. Et comment le crapaud rentre dans la bouteille? Ouais, il est chaud pour moi, t'es là où tu prends. Il est chaud plus, ça va. Il écoute, ça va, quoi. Messire, venez voir. C'est tout ferré, il n'y a point de bœuf pour tirer. Oh là là, messire. Ok! Oh ouais! Hey, c'est pas impossible! Il y en a quelqu'un qui a pas suivi! Bon Dieu! Regardez ta vie, tiens! La vie, tiens! Va pas faire de poutre automatique! Non! Pas de poutre automatique aujourd'hui! Aujourd'hui, nous allons faire gros barbecue! Oui! La bonne viande! La bonne viande! Et tout ce qu'il faut! On va faire aussi les.
Oh, mais les papillons, tout le monde, c'est bon, les papillons. Là, 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 la vie, tiens, 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 on va cuisiner. Il y a point de bœuf. Les poulets, les poulets, les bons poulets, oh, les poulets. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. Qui a bouffé mon chien? C'est moi, j'avais trop soif. Et puis, si jamais il n'y a plus de papillons, on va faire, on va faire, on va faire. Les petits enfants. C'est pour les petits enfants. Tiens couille, tiens couille. Oh, mets le petit enfant sur la grille. Père, le purineux. Mets le petit enfant sur la grille. Allez, va faire cuire le petit enfant. Allez, fais cuire le petit enfant. C'est pour les petits enfants. Oh, miam, 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 miam. Oh, les petits enfants, c'est bon ça. Oh là là. Et un petit enfant qui se débat, encore meilleur. Miam, 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 miam. Maman, t'inquiète pas. Et papa, c'est pas pour de vous, c'est pour de vrai, mais on le montre pas en vidéo. Et papa, j'accouille, papa, j'accouille. Est-ce que c'est pour la bonne viande? Nous allons assaisonner les poulets avec du thym et du romarin fraîchement cueilli par Thibaut. Voilà, il peut pas être plus frais, il vient juste derrière. Voilà. Donc ça va être bon. Ça va être délicieux. Délicieux. Et ben voilà, un poulet bien assaisonné. Thym, romarin. À côté des deux verres. Vous laissez les broches ? Bah ouais. Non, à côté encore. Et là, tu le mets dans le feu, ça sent trop. Ça sent trop bon. J'ai les petites papillotes qui cuisent tranquillou. Je pense que ça va cuire très vite en vrai. Tu vas enlever les branches pour manger. Oui, non, mais là après tu frottes après pour manger. N'est que du bon, mon Seigneur. Alors, t'es pas confiance en toi, c'est pas ta faute, t'es fidèle. C'est que toi, tu ne l'es pas. C'est pas ta faute, t'es problème. Je n'ai pas confiance en toi, c'est pas ta faute, t'es fidèle. Et que moi, je ne le suis pas. Un petit peu quand même, hein. C'est pas ma faute si t'es fidèle. Et que moi tu ne l'es pas. C'est pas ma faute si t'es trop belle. Et que j'ai pas confiance en toi. C'est pas ma faute si t'es fidèle. Et que moi je ne le suis pas. Ma possession, ma jalousie, j'en veux plus. Je profite des femmes belles soucis sans faire cocu. Ça c'est de bonne bouffe. Sans repos, et aujourd'hui, tu me retrouves tout seul. Une vie, ça ne
droit à la bonne cuisson. La bonne tambouille, c'était bon ça. Oh là là. Tu veux tout, Diadia? Avec les bonnes petites cuisses des pilières. Allez, vas-y. T'avais la petite cuisse là-dedans, là. Il y a de la bouffe. Ça, c'est de la cuisse de petit enfant. C'est du bon. Ah, tiens, un bout de Lily. Ah, un bout de Lily, c'est bon, ça, ça couille. Un bout de Lily. Les petits poivrons, les petits oignons, les petites patates, tout est bien cuit. Les courgettes, miam. Eh ben, la tambouille a eu du succès, hein, franchement. Merci. Regardez-moi ça, l'assiette de petits pastis. Comment elle est magnifique. Elle est toute petite. Ouais, mais... C'est la première fois que j'ai une petite assiette. Il faut en prendre beaucoup. Attends, la sur le game. Voilà. Il a pris des petits oignons. Des petits oignons et des petites olives. Bon, bah, du coup, ce soir, on se refait une petite soirée au barbecue parce que ça menaçait un peu des orages, mais au final, ça va, il te fait nickel. Avec de la bonne bûche. Ouais, Flo, il est énervé, il a coupé un tronc d'arbre. Diadia, fais-tu juste ces petites bricoles avec ses petits couteaux, ces petits trucs. Ouais, c'est pour maintenir son... Diadia, on va l'appeler Diadia la bouche crafteuse. La bouche crafteuse. Diadia la bricole. Voilà, ça, bah, bon, un petit Schweppes. Thibaut, il fait rien, il fume une clope. Donc il fait pas rien. Il y a du poulet qui cuit, tranquillou avec du bon romarin, comme l'autre jour. Local, c'est du local. Et puis ce soir, on va se faire un bon... comment ça s'appelle ? La bonne... une fondue savoyarde. Une fondue quoi, une fondue mélange. Mélange fromage, huile, viande, bon bref... que Léa et Dylan ont acheté tout à l'heure, et voilà. Donc ils ont acheté ça pour tout le monde. Et puis avec du pain, puis voilà, quoi, enfin tranquille. Hein. Et comme ça, on est sûr qu'on est à l'abri, et qu'on mange bien, et qu'on passe une bonne soirée. Oui, voilà. Bon, ben voilà, du coup, on se refait une petite soirée dans ce super petit endroit barbecue. Bien sympatoche. Il y a du monde. Voilà, du coup, un bon petit coup de fromage fondu. Ça, c'est pas dégueulasse. Mon père, hein, c'est bon, Jojo? Ouais. Voilà une petite fondue bourguignonne. T'as mis le bouillon dedans? Ouais, mais non, elle va être trop cuite après. Ah, voilà. Là, c'est dans le fromage, maintenant. Ah. Bon, ce matin, on s'est fait réveiller par nos petits copains de la Guarda Civile. Bon, en même temps, ça fait 3 nuits qu'on est là déjà, donc c'est bon. C'était à peu près normal, en plus on est dimanche. Pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Pour tout le monde. Une chaise, elle a pris cher. Enfin, ils sont allés voir là-bas, après, je sais pas. Le fait du bruit, je sais pas. Et voilà. Et donc, on va se faire la petite grimpette du coup de là-haut, là, juste après le café et tout ça. Et juste avant tout ça, aujourd'hui c'est Pâques. Du coup, Sab a préparé des petites aventures de Pâques pour les enfants. Donc là, elle aura fait un petit rébus. Attends, je vais vous filmer le rébus, comme ça vous pouvez le faire. Ils doivent trouver le rébus. Il y en a un ou deux? Attends, retire les mains 2 secondes. Voilà. Trois. Voilà. Ah bah oui, il y a une verdure. Comme ça, vous pourrez faire le rébus chez vous aussi. Des œufs. C'est bien un rébus, ça. Hein. Ouais, c'est un rébus. Des œufs. Alors, t'as trouvé quoi déjà, Nanette? Ça, c'est elle et ça, c'est œufs. T'as rien trouvé? Ça, c'est elle et ça, c'est des œufs. Le. Voilà, L et E, ça fait le. Voilà. Allez, bon, bref, ils vont fouiller tout ça, puis après. Après, ils vont essayer de trouver. Ils vont essayer de trouver les chocolats. Les chocolats qui sont planqués un peu partout. Wally, voilou. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça, c'est un Do, non? Do. Non, ça, c'est Sol. Sol, Do. Si. Et après, c'est. Do, alors. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si, Do. Donc, do. Ça peut être Do. Donc, le Do. Pain. Le Do pain, est-ce que c'est le Do pain? Ça n'existe pas, le Do pain. Donc, il faut que tu trouves ce que c'est. Entre eux, mais entre Do, Ré, Mi, Fa. Par exemple, le Fa pain, ça fait rien. Le Si pain, ça fait rien. Bon, il faut que tu trouves. Donc, il faut lui dire les notes parce qu'il ne connaît pas. Donc, bon, ils ont trouvé la phrase du rébus. Donc ce chien-là. Du coup, maintenant. Où le chien. Maintenant, il y a des dessins. Alors, je dis pas la phrase, comme ça, vous devrez trouver les abonnés. Vous la mettrez en commentaire. Parce que c'est. Et maintenant, ils doivent trouver. Un chien. Ils doivent. Il y a des indices en dessin. Ce chien-là, il vous fait penser au chien de qui?
Belle et Sébastien, ta ménage, nana. Donc il a été caché près du camion du groupe, pas jusqu'au camion parce que il a eu peur le lapin de se faire manger les fesses. Il peut pas s'approcher trop près du camion. Bah si, il ressemble à Oslo. Donc vous allez voir vers cette direction là, mais sans pourrir, réfléchissez où est-ce qu'il aurait pu le cacher si vous réfléchissez bien. Et pas trop près là, vous êtes trop près. Liam, écoute. Écoutez ce que vous dit maman. Vous êtes déjà trop près du camion. Prends le chemin du camion et regarde où est-ce que. Ah, je crois qu'ils ont trouvé. Ouais. Ils ont trouvé le premier. Donc quel déguisement il... Obélix. Il y a bien d'autres. Donc fais voir le dessin de. Voilà, il devrait se lever vite. Fais voir le dessin comme il fait. Ah, c'est ça qui a fait tous les dessins. C'est pour Mano. Donc bien sûr, le lapin, il n'est pas allé se cacher dans les camions, il aurait eu trop peur de se faire voir. Donc, voilà, c'est dehors. Ok, il dit maintenant... Jojo a trouvé le Luigi, fameux Luigi. Le chocolat en rapport de Obélix, et maintenant c'est Luigi. Alors Luigi, à votre avis, c'est pourquoi le Fifi. Hein? Et voilà. Donc je pense que c'est autour du camion de Fifi. Amène les dessins là, loulou, comme ça vous les abîmez pas. Ah, ça y est. C'est pour Enzo, ça. Pour Enzo, Lily, ça y est, elle a trouvé. Attends, Lily. Alors. Carpe diem. Carpe diem. Voilà, c'est marqué dessus, hein, c'est pas dur. Donc c'est là-bas. Voilà. Et là, c'est Diadia. Oh, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Calimero en version. Alors ça y est, vous avez trouvé, fais voir le... pirate lapin. Ah, un pirate lapin avec une jambe de bois. Bah comme Flo. Voilà, donc faut aller... Ouais, Flo, il a une jambe de bois. Faut aller où? Et tu perds du temps là. Allez, au camion de Flo. Il est classe, hein. Ah, ça y est. Ça y est, le message suivant. Voilà. Lapin punk à chien, bon. Vas-y, donne que je voie, Jojo. Maman, tu peux le récupérer après, lapin. Chacun récupère son petit dessin. Ah ouais, on va le coller dessus. Ah bah, ouais. Voilà, un lapin punk à chien. Avec un œuf à pique. Donc, faut aller fouiller au camion. Allez. Un œuf à Spike, alors. Ça y est, ils ont trouvé. Et il y avait même pas de chocolat. Il n'y a pas de chocolat. Ah bah d'accord. Donc là, il y a une vieille carte au pirate, carte au trésor. On va voir ce qu'il y a dessus. Bon, alors là, c'est carrément la carte au trésor. Alors là, il faut trouver le trésor ultime. Donc il y a une croix. Je sais pas, c'est quoi la croix du coup, chérie? C'est là où il y a le trésor. Bah non, ça peut être qu'il faut pas aller là-bas. Je sais pas. Non, mais attends. Le trésor de pirate est toujours. Alors faut vous. Là-bas, il y a la baignoire. Ouais. Là-bas, il y a la baignoire, donc il y a un œuf pas loin de la baignoire, mais il y a trois potos. Voilà. Ah, là-bas, là, juste là. Quand ils auront trouvé, il faut qu'ils trouvent. Oui. Attends, on va voir. Django. Ah oui, il y a les poteaux à linge. Django. Ils sont déjà partis avec la carte. Là, tu peux les laisser galérer maintenant. Mais... Oui, parce que ouais, là, ils ne sont pas au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas suivi en fait la croix. Pourtant, Liam, il a dit, il y a un arbre. Ah ouais, mais là, non, mais là, ils ont des chocolats un peu partout, ou ils ont qu'un trésor. Ah, mais là, ils croient qu'il y a des chocolats. Quand il l'a dit, ça m'a trop fait penser à ça. Suis la carte. Le rébut, il en disait bien. Du coup, vous... Comment il s'appelait Comment disait Dora? Ouais, mais le mec avec lui. Shipper. Shipper, tu as trouvé la carte? Non, c'est Babouche. Babouche, ouais. Ah, il connaît bien Mano, hein. Il se fait un petit Dora tous les soirs. Ouais, lui, fait Dora l'exploratrice, mais en mode. Tyson. En mode Pornhub. Dora l'exploratrice. Je crois qu'ils ont trouvé le trésor. Ah ouais. Là, ça se trouve, la Guarda Civile, ils auraient pu nous le piquer ce matin. Ils sont passés devant. Hein. Imagine, ils seraient arrivés, les gars. On l'a trouvé. On a trouvé le trésor. Devant, pour papa. Devant, qu'est-ce qu'il y a devant? Regardez. Tourne la caisse. Tourne la. Tu sais ce que c'est, tourner ou pas? Oh là là. Ah, il y a un super cadenas.
Il faut ouvrir le cadenas, les gars. Mmh. Ah, vous avez pas trouvé la clé? Oh bah dis pour la clé. Il est où? Alors, il y en a là-dedans. Stéphane, Nadia. Bruno, Sabrina. Ah, ça c'est bien ça. Ah, je le vois d'ici, moi. Liam. Liam. Lily. Lily. Tout le monde son petit chocolat. Voilà. Joli. Tu peux l'ouvrir ou... Bah ouais. Sinon t'as des promotions sur le papier d'alu, le petit lapin là, parce que... Nous avons déplié le centre déchiré de papier d'alu. On peut applaudir Sabrina quand même. Ouais. Et moi ma chérie, tu pourras me faire un jeu de piste où faut que je trouve des endroits. C'est possible ma chérie? Si y'a toi, t'as pas d'œufs, t'as pas d'œufs. Bon, ouais, ça va. Voilà. Voilà le petit pack. En plus, sans faire exprès, on aura fait pack sur un lieu saint. Ah bah tiens, regarde, il est cassé. Bon, non, on n'est pas croyant spécialement, mais sur un lieu, on aura fait pack sur un lieu saint. Avec les petites cloches du monastère. J'avais oublié de filmer, hein. Liam, il s'était fait son petit panier à œufs, hein, pour au cas où il y avait des petits œufs. Bah, ça peut servir, on va le garder. Ça peut servir, ça. Ouais. Pour écoper quand on sera en mer avec Obélix. Déjà, tu peux me le casser parce que moi. J'ai limite envie de se baler. Bah, dis donc, je crois que c'est l'heure de la douche municipale pour les chiots, là. Allez, faites la douche. Ouais. On est déjà fait la douche. Et boule de poils. Eh, hey, boule de poil. C'est surtout lui. Et toi, Rag? C'est surtout lui, papa. Ouais. Hola. Bon, on est parti pour l'ascension du mont, là. Mais attends, on peut peut-être monter à gauche, là-dedans? Ou faut vraiment suivre ce qu'il a dit, le gars? Alors, je vais checker un peu. Et donc, ben, là, on voit passer derrière les arbres, mais donc, on va monter à la croix. Enfin, on va essayer, en tout cas. Ouais. Jojo l'a déjà fait le dessin de notre ascension. Ouais, impeccable mon Jojo, c'est le plan, comme ça on est jamais perdu, nickel. Bon, le Gaulois, il en chie, hein. Ça monte, hein. Plus avec le sac à dos, bon, il est pas trop balèze, mais il y a quand même les gourdes et tout, puis ça monte assez raide. Bon, on n'est pas arrivé, hein. Je vous montre en tournant la caméra. Nous, on va tout en haut, là-haut. Avec la croix. Où il y a la croix, ouais. Bah, normalement, hein, si on y arrive. On va voir. Il y a des gens là-haut. Voilà, voilà. Donc, on a fait à peu près la moitié du chemin. Je sais pas si vous voyez le petit bout de la croix qui est là-bas. Attends. Hop, dans le trou. Ouais. Juste après le trou, par là, il y a une croix. Il y a le bout de la croix. Ouais. Ah, par contre, j'ai envie de tout ça. Et puis après, bah là, voilà le paysage. Wally Walou. Allez, on y va. Allez, on est presque arrivé. La croix est derrière tout ça, hop, juste au bout là-bas, et on a remonté tout ça. Allez, courage. Quoi? Ah bah oui, hein. Ah bah oui, on va voir Obélix. Ouh, ça fait du cardio, je vous le dis. Ouais. Allez, courage. Et voilà la petite vue quand on arrive au moins sur la crête. Bon, bah c'est nuageux, c'est un peu brumeux, mais bon, c'est joli quand même. Cette impression d'espace. Plutôt bien sympa. Regarde le chemin pour savoir. Allez, si on juste là-haut, on est arrivé. La bonne direction. Ah, est-ce qu'il y a une géocache là-haut? On est où là? Là, on est là. Ouais. C'est bon? Tout ça. On est presque arrivé. Il reste plus que ça. Okay. Allez. Allez, normalement, on va voir la croix dans quelques instants, je pense. Ah bah oui, bah... Pardon, ma chérie. Ah bon. Ou avancez, non. Je l'ai... Ça y est? Oui. Ah ouais, ça y est, on la voit. Elle est là-bas. Et vous avez vu, il y a même Jésus là-bas avec. Bon, c'est un Jésus de raideux, mais bon. C'est un Jésus pirate, mais bon. Ça te dérange pour la photo, j'ai emmené quelques clous que je te plante sur la croix?
dérange pas. Bon, bah, impeccable. Voilà. Donc, on va pas tarder à voir aussi Obélix. Pourquoi? Oh, bah, je suis. Ça va le faire. Ah, merde. Voilà. Quand même la classe. Allez, nous, on va aller quand même à la croix, histoire de faire une belle photo, appeler les poteaux en bas. Et puis voilà. Alors, en fait, voilà ce qu'il me disait, qu'il était en train de me dire, Flo. Vous voyez, il y a des câbles, et là, il faut passer ce que Liam est en train de passer. Bon, ça va le faire. Enfin, nous, on va pouvoir, les chiens, non. Mais histoire de faire la photo quand même, juste au pied de la croix. Ouais. Allez. Et voilà. Me voilà à la croix. Avec une super vue magnifique, bien sûr. Dommage, c'est nuageux. Avec un beau soleil, ça aurait été sympa aussi. Et Obélix est juste en bas. Je sais pas si vous arrivez à le voir. On voit le camion de Flo. Obélix, il est derrière un arbre, là. Je vois très bien le camping-car de Carpe Diem. Et surtout, bah, le camion de Flo. Allez, on va appeler les copains. On va voir s'ils nous entendent. Oh, oh, oh! On va voir s'ils nous entendent. Je crois que ça nous appelle en bas. Oh, oh, oh. Ouais. Je sais pas. C'est dommage, ici il y a une plaque explicative et tout, mais bah c'est. On voit que c'est tout est. À la fin il y a encore un peu d'écriture, mais sinon c'est tout effacé, dommage. Ouais, refaire retaper la croix quoi. Ah, j'aurais bien mis un petit logo Loi et sa famille, moi, merde. On n'a même pas emmené un marqueur. Ah, ah, j'aurais dû prendre un post-cab, ouais, oh. Bon, c'est pas grave. Bah. Bon, on saura que le Gaulois est passé par là. Ah, je te jure. Si vous montez à cette croix, voilà. Donc là, il y a une date, hein, donc je suppose qu'ils ont mis la croix le 3 mai, janvier, février, mars, avril, mai, ouais. À 1992. Voilà. Et nous, on sera passé le 04-04-2021. Ah, Jojo avec l'eau que Flo a mis pour les chiens. Il est en train de fabriquer une source d'eau chaude, il a dit. C'est ça? Oui. Pour quoi faire? Ah, oh, putain, je suis pas pris. Pour les petites bestioles. Ah, t'es gentil, ça. Voilà. Pas, mais... Ah, ça va, elle est contente. Elle a trouvé la géocache. Alors, depuis tout à l'heure, ça faisait au moins une heure qu'elle cherchait. Elle a trouvé pas dans un buisson d'herbe comme ça, là. Ah, du coup, il est beau, les 4 mètres. Et Liam, il lui a dit, t'as qu'à, avec le pied, écraser un peu dans le buisson. Ouais. Puis, du coup, elle l'a trouvé. Et c'est une géocache qui a pas été trouvée depuis 2016. Ça fait 5 ans, quand même. Sympa. Quoi, elle est où? Ah, Liam est en train de chercher. Ah ouais, là. Ah, ils avaient mis des pierres ou c'est ouais, toi? Ouais, ouais, il y avait des pierres quand même. Quand même pour localiser, donc voilà. Il y a des sous. Ah ouais, bien vertes. Allez, quand même. Il y a des sous, on va prendre au sous. Ouais, ouais. Arrête. Voilà. Oh, encore une belle géocache. On a quoi, là? Bravo. Bah, on a appris. Et donc, ça localisait où il te disait ou? Regarde. Dali, viens là. Plus ou moins. Ça me disait dans ce bosquet-là, là. Ouais. C'est plus ou moins 4 mètres. Ah, il y a un petit porte-monnaie. Mmh. Perds pas tout. Un petit mousqueton. Mmh. Donc là, on a, pour une fois, on a bien pensé à prendre la trousse. On a plein de choses à remettre. Oui, d'ailleurs, on va mettre le fameux objet voyageur. Ouais, mais j'hésitais. J'ai peur qu'il soit jamais retrouvé. Ah bah, c'est le but aussi. Ouais, ouais. C'est le but, hein. Que les gens y cherchent, ouais, hein. Si, ouais, on va le mettre. Hein. Et son but, de toute façon, toi, tu vas. C'était de gravir des montagnes. Allez, on est pas mal. Bah ouais, hein. De toute façon, toi, tu vas la loguer, celle-là, donc les gens vont voir que tu l'as trouvée. Ouais, bah, ouais, mets une petite photo spoiler. Je pense que ça va les motiver. Bah ouais, ouais. Oh non, ah ouais. Non. C'est un Skylander, ça. Bon, ouais. Vous battez pas pour un petit jouet. Ouais, ça. Donc du coup, t'as mis l'objet voyageur dedans? Ouais, bah attends, je vais le mettre, je l'ai pas fait encore. Ah, va le mettre. Enfin, il est dedans, mais je l'ai pas logué. L'objet qu'on avait trouvé, oui, au spot d'escalade, là. Ouais, mais dans mon à la Sierra, je sais pas quoi, là. Ah ouais. Donc vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait au bord du lac où c'était vraiment très très sale, où il y avait des apéricubes et tout sur la vidéo d'avant. Et ben voilà, on fait pas pareil, on prend ses poubelles, hein les gens. On prend ses poubelles, on met rien par terre. C'est quand même pas compliqué d'emmener un petit sac poubelle et ramener tous ces petits déchets quoi. Voilà. Ouais, c'est ton petit monstre. Ouais.
Il s'appelle Bruce, il a le pouvoir force. Le pouvoir force. Ça rigole pas. Bon, nous voilà repartis sur le retour du coup. Eh ben, il y a encore des belles images à faire. Avec le soleil qui est revenu. Donc voilà, sur la descente, on peut refaire un petit coucou à Obélix. Qui est juste en bas, là, au bout de mon doigt. Ah bah alors, par là, ça va être dur, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Je m'en lasse pas des paysages de montagne. Moi, j'adore la montagne. J'adore la montagne. Ouais. Super joli. Il y a tout à l'heure, on était là, on disait, elle est où la croix? Ouais. Ah oui, on voit le haut de la croix, là-bas. Ouais. Je l'ai filmé, je crois, tout à l'heure. Bon, on a repris un autre petit sentier pour rentrer. Ah bah, il est bien sympa aussi. Il est plus plat. On va dire moins de dénivelé, quoi. Hein, mais il est plus long, du coup. Hein? Dia, demain, objectif, aller dans le petit trou. Ah ouais, on le voit du bus. Ouais. Un petit trou qui est là-haut, là. Bon, on le voit, je sais pas si on le voit au téléphone. Voilà. La barrière, là, elle a eu mal. Ouais, il y a une pancarte là-haut. Tiens, qu'est-ce qu'il marque, là? Ah bah, t'as vu, il marque la végétation. Ouais, bah oui, tout à l'heure, on a vu déjà un peu. Ouais. T'as vu, il y a des flash codes, en plus. Un bon endroit pour une géocache, là. Ouais, t'as vu, il y a des trucs codes, là. Ah, les petites fleurs, j'adore. Ah, il y a plein de petites fleurs, là. Super mignon. Regardez ce petit bouquet, là, qui pousse là. Franchement, c'est joli. Dans la pierre. Sympa. Regardez cette belle fleur, là, qui pousse là. Elle est rare, hein. Ouais. Ah, t'as vu, il y a même, regarde. Ah, il y a un lézard qui vient de... Ah, mince, je l'ai pas filmé. Il y a un lézard qui vient juste de passer là. T'as vu, il y a même le truc pour mettre un peu d'eau et tout. C'est lent, ouais. En fait, il y en a partout, ces fleurs-là, regardez là-bas. Là-haut. C'est joli. Voilà, donc là-bas, il y a une belle petite porte un peu style médiéval. Moi aussi. Puis il y a une petite source. Alors, il marque non potable, mais elle est très bonne. C'est de l'eau de source, de toute façon. Et il y en a un, il y a un espagnol, là. Qui est un peu taquin. Il a marqué. Alors, agua no potable, mais... Pero yo baby, bedo, hein, y sigo vivo. Donc en gros, agua non potable, mais j'en ai bu et je suis vivant. Ah, il y a l'écureuil. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois pas? Alors. Ah oui, ça y est, là-bas au fond. On le voit pas avec le téléphone. Ah, il est là dans le sapin, là. Bon, Camille, tu vas nous en vouloir, mais... Les dreads de Liam sont devenus un grand n'importe quoi. Du coup, bon, bah, on va lui refaire une coupe propre. Et voilà. Parce que comme nous, on ne sait pas les refaire, on ne sait pas les entretenir, on va dire. Il a dit qu'il voulait. Ouais, tu coupes pas là, c'est emmêlé, là. Camille. Voilà. Camille, ouais, quoi? Une crêpe? Non, non, on va lui. Non. Non, on a décidé qu'on n'était plus des pains cachés, c'est fini. À la mare. Ah, parce qu'on en a été? Bah non, mais tu se mets. Ouais. Bah je sais, avec les dreads qu'on coupe, je vais faire une perruque et comme ça, je vais mettre la perruque. Tes pauvres dreads. Eh, hey, regardez comment ça fait bizarre. Ah oui. Bah ça lui va bien au final. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, j'en ai fait encore plus long. Mais... Charles-Henri, nous allons te mettre au lycée privé. Charles-Henri, bien sûr. Bah, après, faudra bien égaliser avec quelqu'un que tu connais, quoi, mais bon là. T'as, il passe de Dré 2 à Charles-Henri. Ouais. Ah bah là, ça fait bizarre. Maintenant, il est plus tard-Jean. Eh, mais tu vas à Paris, tu vas vivre à Paris, c'est ça? Mais tu sais, en fait, c'est comme dans la vie, t'es un fleuve tranquille. T'es plus notre fils, là, quoi, la famille Duquesnois, là. La famille Duquesnois. Duquesnois. Eh, mais comment t'as fait pour lui faire aussi bien le. Elle est trop bien fait, la coiffure. Hein. Oh la classe. Bon, Camille, on est méga désolé, tu vas vraiment nous en vouloir, mais pauvre Liam, il avait ses dreads, c'était devenu du n'importe quoi. C'était une décharge publique. Une décharge publique dans les dreads. Du coup, de Dré 2, il est passé à Charles-Henri Dupré. Charles-Henri, vous allez aller au lycée privé maintenant, Charles-Henri. Êtes-vous d'accord? Alors avant, tu sais. Non. On est dans les avions privés. Ouais, mais quand on voit son frère à côté, ça le fait pas. Ah, voilà. Et là, tu vas. Si, là, tu vas aller. Naruto. Fais ça. Ça lui va bien, en fait. Ah, ça lui va bien. Oh là là. Sabrina coiffeuse. Je vais faire un peu plus long encore. Ouais, bon, ça va. J'avais peur qu'il ait trop mal en démêlant. Là, j'ai dû démêler que 2-3 draps. Donc voilà la nouvelle coupe de Liam. Nous, on est posé. Bah, c'est un peu gris, hein. Sur un air de camping-car pour recharger en eau. Bah, maintenant qu'on est parti de nos montagnes, bah, ça fait toujours du bien de récupérer.
un petit peu d'eau et puis tout ça. Là-bas, il y a du pump park, je vous montre. Alors, on a garé Obélix au plus près qu'on pouvait. Hein. Alors, on peut pas être plus près. Hein. Ah oui, pour essayer de pas gêner. Nickel. Et puis, alors là-bas, il y a les jeux pour les enfants. Là-bas, il y a un grand pump park pour faire du vélo et tout ça. Et derrière, il y a des terrains de football. Donc, c'est quand même sympa. Bon, restez peut-être 2 jours là, quoi, tranquillou. Bon, là-bas, il y a un punk, là, un pirate, là. Pas un punk, un pirate, là. Ah, je te jure. Allez, bonne soirée à tous. Fini les draineux. Bienvenue, Charles-Henri. Ça te va bien, t'es beau gosse comme ça. T'es beau gosse. Quand j'ai envie de me couper avec. Oh, calmos, calmos le coiffeur. Bon, fallait que je vous montre quand même ça. Il y a des Espagnols qui sont venus faire la vidange du camping-car et puis ainsi de suite. Et du coup, ils nous ont ramené une bouteille de vin de... du bled d'ici, qui s'appelle, bah du coup c'est marqué dessus, ouais, je me rappelle déjà plus, voilà, Yekla, bon bah c'est super sympa, et nous, donc, du coup on leur a donné un petit autocollant des Gaulois, voilà, voilà, il y aura une petite bouteille de vin à boire, merci. Bon, on est en train de prendre le café chez Diadia et Steph, et du coup Diadia a sorti ses petits bracelets, il y a une dame sur le parking qui achète des petits bracelets pour ses enfants et tout, en prix libre bien sûr, toujours. Donc Lily, elle a profité pour sortir sa petite assiette de bracelet. Et puis voilà, la dame, elle achète des petits bracelets pour elle et ses enfants. Super sympa. Donc en prix libre, toujours. Bon, on aurait pu vendre peut-être un attrape-rêve, je crois. Ça fait du bien, un petit peu de sous pour les carpe diem. On a 20 balles. Ouais, sympa. Elle a donné 20 euros, la dame. Bon, apparemment, Diadia a donné plein de bracelets. Elle a donné un petit autocollant, le Gaulois à sa famille, tout ça. Nickel. Voilà. Bon, allez, on va aller faire le tour de voir les petits terrains qu'il y a ici, là. Dali. On a réussi à sortir papy de son camion, là-bas. Dali. Dali. C'est moi qui promène les vieux, quoi. Pour le sortir, on a été obligé de lui dire qu'il y avait une bouteille. Il y avait une bouteille, c'est pack pour petit pastis. C'est ça, c'est ton pack. Je vais la trouver. Ouais. Je vais la trouver. C'est mon pack de bière. Ah non, un pack de Ricard. Un pack de Ricard. Bon, alors. Comme les autres packs. Allez, on va aller voir ça. Oh, c'est quand même bien propre, hein, leur terrain. C'est nickel. Eh. Les petits lutins pourraient se faire un petit foot et tout. Bah, ils sont partis acheter un ballon parce qu'ils ont perdu les 2 ballons. Super. Je te le jure. Bah, comme ça fera trop. Ah ouais, puis ouais, j'ai fait un petit tennis avec Manou. Là. Bah, ouais. Faire un petit tennis. Ah ouais. C'est excellent. Dommage, moi j'avais des raquettes et des balles, mais j'ai refilé ça à une copine qui faisait du tennis à Séville. Ah, il y a de quoi faire. Ils avaient un terrain de tennis, des cours de tennis juste derrière chez nous. Voilà, là il y a un début de terrain de BMX, bon pas ouf, quoi, mais. Ouais, bon. Mais ouais. Ouais, c'est sujet. Ça vient, mais ça m'irait bien. Bah ouais, il y a été au moins, il l'a vu. Bah ouais, ils les ont vus, ils ont vu côté dessus. Non. Ouais, je pense que les boss, ça sont pas assez. Tu vois. Ouais, c'est, tu sais, des vrais boss, quoi. Ouais, bah. Pardon. Le ouais. Gamin, il va être bien fatigué une fois qu'il aura fait 2 tours. Hein. Ah bah, les v'là. Les v'là. Vous l'avez essayé au moins ? Le terrain, là ? Ouais, je me suis gamélé. Ouais, Charles-Henri, alors, le terrain ? Tu t'es gamélé ? Je suis arrivé à fond et j'ai... Ouais, mais c'est ça, les Parisiens. Ouais, ils sont mauvais au BMX. Voilà, le petit pump track, bien propre. Hein. Ouais. Bien sympa. Et vas-y. Guillaume, il va me montrer un truc. Ouais, pas mal. Pas mal. On a pris les petites voitures pour faire les jouets. Ouais, ils ont trouvé les jouets dans les poubelles. Ouais. Bah oui, il a pu sa cassette est cassée là. Son pignon arrière il est pété. Ah, il est bien foutu quand même. Tiens, il est propre. Ouais. Tu lèves plus fort. Voilà. Fais attention, Fifi. Vas-y, Lily. Ouais. La professionnelle. Les gros phoques. Allez, faut réussir à monter sans les mains. Allez, allez, Steph. Oh là.
Ouais, il a réussi, Steph. Bien joué. Allez, le phoque maintenant. Non, le phoque. Allez, le phoque. Arr, arr, arr. Oh. Ah ouais, ouais. Tu m'étonnes. C'est un t-shirt, fais-le là-bas, c'est un gros. Allez, fais monter Django là, la vidéo là. Regarde, Django, il monte trop facile. Django, allez. Ça fait du bien. Waouh, pff, trop facile. Et il risque jamais à montrer ça, je suis sûr. Allez, Jojo, tu dois monter jusqu'à là-haut sans les mains. Non. Allez, essaye. Vas-y, moi j'essaye, allez. Django. Allez, Django, pousse-toi. Pousse-toi, gros. Allez, 1, 2. Pousse-toi, Jojo. 1. 2, 3. Je suis pas sûr, je vais réussir. Réussi. Ouais. À mon avis, à pieds nus, tu y arrives, je suis sûr. Ouais. Et papa, quoi? Si tu montes, mais tu fais un guerrier de mettre comme ça. Voilà, oh, t'es fou, toi. Ah non, là, tu te fais mal. Ouais. Allez, vas-y, Enzo, il va faire le saut. Bah oui, Arjos. Allez, vas-y. Allez, go. Allez, à fond, à fond. Ah oh, bah non, mais... Allez, vas-y, à fond. C'est chaud, t'as même pas essayé. Bah ouais. Bon, regarde, Flo, il va te montrer. Bah oui, il va le faire trop face. Mais c'est facile, en fait. Bah oui, en fait, on croit, mais... C'est le trou qui fait peur, mais... Voilà. Ça passe tranquille. T'es en train de niquer le pneu, là. Oh, parle bien, toi. Mais non, mais il tourne. Allez, autour de Liam, Charles-Henri. Waouh! Sacré saut! Il est fort. Ah, limite, ouais, faudrait qu'il soit un peu plus long. Mais là, faut que je pédale. Allez! Oh, mais il m'énerve lui! Enzo est parti, il fait pour de vrai. Allez, vas-y à fond! Allez! 3 heures à chaque fois lui. Bah vas-y! Bah je vais le faire moi, mais pas tout de suite. Allez, vas-y! Allez à fond! Allez à fond! Allez! Oh non, à fond, à fond, à fond! Oh là! Vas-y, fais-le. Oh, alors, Bruno va essayer! C'est le saut incroyable de Bruno Le Maire! Hop, final! Wow! Juste, j'ai fait, moi! Voilà! Tu vois! Ouais! Faut soulever les deux en fait, mais bon, moi j'ai pas fait. Donc, tu sautes en fait, quoi! Comme si ouais. Tu sautais, mais hop! Ouais. J'ai niqué la roue arrière. Non. T'as touché la roue arrière, non. Mais. Ouais, non. T'as rien. C'est pas... Jojo, il va le faire. Ah bah non. Oh. Allez, Fifi. T'as raison. Celui depuis tout à l'heure, il nous pousse à faire les conneries. Ouais, et puis, ouais. Il est même pas tombé. Ouais. 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 Oui. Vas-y, descends. Viens là, Lolo. Bah, descends là. Allez, vas-y, Lili. Ouais. Bon, regardez, on, bien, en fait, bah non, mais je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça sert à rien. C'est ça. Bien, c'est bien, l'a retiré. Voilà, donc on a rencontré, tu m'as dit, merde. Nicolas et Pili. Pili? Comme les Pili Pili. Mais c'est ton vrai prénom? C'est Pilar, ah, c'est Pilar, mais les diminutifs, c'est ah, Pilar. Ah, à l'espagnol, il est français à la base. Et en fait, ils vont partir sûrement faire un périple en Andalousie en vélo. Et voilà. On va essayer, c'est le projet. Encore des gens qui ont dit oui. Non mais ouais. Voilà, on a bien discuté pendant une bonne heure, hein, facile. Ouais, c'est le cool, temps ouais. Passe vite. Hein. Ouais, ça va vite. Ouais. Ouais. Et voilà, une vie sympa de nomades et ils apprécient et puis ils sont super cool et ils auraient pu et passer la soirée. Ça fait plaisir de trouver voilà. Des gens, voilà. Et ben merci. Ils vont peut-être passer la soirée avec vont nous. Ils sont pas partis. Ah, ils sont où les menottes? La guitare. Et voilà, comme ça, on aura un souvenir de vous. Et ben voilà. Merci. Bye. Bon, petite soirée pizza après avoir rencontré nos copains espagnols là. Petite soirée pizza tranquillou, mélodica avec Dadia. Que lui avait offert Yuri. Et puis aussi petite soirée guitare. Voilà. Tiens, filme-moi à lire. Allez, petite soirée un petit peu guitare. On fait un peu n'importe quoi. On fait un peu ce qui vient.